essayez. Avec ce soir, Claude Sarraute. Ouais. Isabelle Alonso. Ouais. Maureen Dor. Ouais. Philippe Gueluc. Ouais. Franck Dubosc. Ouais. Et Jean-François Bérec. Ouais. Bonne ambiance. Ça se passe bien, sauf que je note que ça fait deux émissions de suite, Philippe Gueluc, que vous êtes ici même, vous vous incrustez. Qu'est devenu Gérard Miller? Je crois que Gérard Miller faisait une conférence ce soir. Ah, une conférence sur oui. quoi? Je ne sais pas. Sur Jean Montaldo et mes amis. Voilà. Sur la médiatisation, sur les gens qu'on voit beaucoup dans la presse. Comment faire quand on est connu depuis deux ans? Comment survivre? Alors, si vous êtes là depuis deux émissions, Philippe Gueluc, donc vous incrustez, Maureen, elle, en revanche, c'est sa dernière. Oui. Sa dernière, pour un petit moment, parce que vous allez... Mettre bas. Non. J'ai pas dit ça. Ce que je veux dire, c'est que là, c'est la date limite, vraiment. Ah oui, oui, oui. Vous pouvez pas, oui. peut-être même que pendant l'émission. Non. Si vous insistez, on peut... Je sais pas si vous pouvez pas essayer de bouger pendant toute l'émission, Gueluc, pour essayer de faire sauter le... Non. Attends, ce serait énorme. Hein. Ah, ce serait énorme. Si on, alors là, si on avait un accouchement en direct dans l'émission, alors là, on fait 60% de part de marché. Ah non, mais, oui, mais après, les hommes sont dégoûtés. Tous les hommes qui regardent l'émission sont dégoûtés de leur femme pendant quelques temps. Il mais non, mais non. Non, d'ailleurs, peut-être, mais pas du tout. T'inquiète pas, moi, je suis pas le genre à me dégoûter de leur femme. Tiens, Franck Dubosc. Faites bien de prendre la parole, vous êtes sur scène actuellement. Tout à fait, Laurent. À la Comédie Comartin. À la Comédie Comartin, rue Comartin, on y rit, on y danse, on s'y amuse. Parfait, comment s'appelle le spectacle? Je vous ai pas raconté. Je vous ai pas, bah nous racontez pas. Moi je suis allé deux fois déjà voir le spectacle, qu'est-ce que les autres sont venus là? Moi je suis allé, ah ouais, mais il y a longtemps déjà. Oh, il y a longtemps, il y a un mois et demi. Ah, tu voudrais pas que je revienne quand même? Oui, pourquoi pas? Oh, bah quand même, chérie, je viens de le voir. Ton rire est une nourriture. Ça fait jamais que 30 ans hein, qu'il joue le même spectacle. Moi, je l'avais vu. Je l'avais vu à Saint-Gervais. Oui. On n'avait rien à faire ce soir-là. Mais c'était, c'était formidable. Formidable. Et il paraît que le spectacle est encore mieux que là-bas. Ah oui, Jean-François Bérec. Ben, je peux dire que c'est très bien. Et ça m'a bien fait chier parce que je le déteste, mec-là. Donc si je le dis, c'est vraiment c'est bien. Hein. Tandis qu'Isabelle, vous ne l'avez pas vu encore. Mais si, je l'ai vu. J'étais avec Derek. Oui. C'est très drôle. Ouais, ouais, je me suis bien marrée. En plus, après. C'est très drôle d'être avec Derek ou de voir le spectacle? Alors les deux. Effectivement, il était accablé que la concurrence soit au moins aussi drôle que lui. Ouais. Moi, je confirme. J'ai un jour allé au spectacle avec Derek. C'était très drôle aussi. Il suffit de tourner la tête comme ça vers Derek et on rit. Ben voilà, on a fait une belle promo là. C'est bien, j'ai hâte que Maureen vienne parce que comme je danse toujours avec une fille, je veux danser avec elle, enceinte comme ça. Je vais venir. Ménarde. Vous en êtes à combien de mois alors, Maureen? 14. C'est pas à vous que je pose les questions, Gueluc. Non, mais vu, mais moi je vois le ventre de profil. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un d'aussi petit avec un aussi gros ventre, c'était Philippe Bouvard. Imaginez à la clinique une première dans l'histoire de l'humanité, le bébé est plus grand que la maman. D'ailleurs, il n'a toujours pas accouché, Philippe Bouvard. Pardon, il n'a toujours pas accouché, lui. Ah non, il n'a pas accouché encore. Non, il a souvent découché, mais pas encore accouché. Bon, allez, il est temps de donner le programme aux téléspectateurs, car quand même, on a travaillé pour cette émission ce soir. Donc, on a tout essayé. Nous avons testé le niveau d'anglais des Français. Are you capable? Too help, roast beef, in difficulty, in the street. Le test a été fait, on vous rassure, en version originale. Pour vous, nous sommes aussi allés assister au premier combat professionnel de Brahim Asloum et aussi au nouveau spectacle du Paradis Latin. On y danse dans les deux cas et attention, la mise en scène est très étudiée. Se balader dans le sentier habillé dans la tenue de Jean-Paul Gaultier, la plus extravagante qui soit. Est-ce que c'est possible à votre avis? Eh bien, Yvette Horner n'étant pas libre, c'est quelqu'un de la bande qui a essayé sans se défiler. Je ne vous dis pas qui. Nous étions aussi présents à l'anniversaire d'Eddie Barclay pour voir si les bougies, ça tient dans la purée. Et au match France-Écosse pour tester, entre autres, si les Écossais sont vraiment radins au point de faire l'économie d'un slip sous leur kilt. Au fait, souvenez-vous qu'on n'a pas le droit de s'embrasser à l'Assemblée. Nous avons vérifié, on a juste le droit de s'insulter sur les deux joues. Nous avons testé les députés. Aujourd'hui, c'était la journée sans portable. Si, si, je vous jure, on n'a peut-être pas aperçu, mais c'était la journée sans portable. Donc, nous avons testé les risques des cellulaires dans un sujet, c'est promis, pas téléphoné. Depuis mercredi, le pacte des loups attire des troupeaux de spectateurs dans les salles de cinéma.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous vous dirons si ça vaut le coup de rejoindre la meute. Du culte, du culte, du culte. L'église se modernise et les prêtres seront bientôt prêts à faire la quête en euros. Nous testerons sur ce plateau les nouveaux objets présentés au salon religieux qui se tenait hier à la porte de Versailles. La messe est dite, une fois de plus, on a tout essayé. Ça vous va ? Claude, vas-y. Le programme, vous sciez, ma oui, chère. Oui, il a l'air très, très marrant. Je ne devrais pas dire ça à l'avance. Hein, oui. Mais... Isabelle, ça vous va le programme ? Ah, ça me va parfaitement. Vous savez à peu près qui a fait quoi ? Vous avez deviné un peu les sujets ? Oui, j'ai tout deviné. Déjà ? Oui, j'ai le conducteur sous les yeux. Le conducteur, expliquons-le quand même pour les téléspectateurs, c'est le sommaire de l'émission mis dans l'ordre, sujet après sujet. Et on va commencer par le premier. Tiens, puisque vous le savez, il a toujours préféré sortir avec 4 jeunes filles de 20 ans plutôt qu'avec une de 80. On peut dire que c'est 4 fois 20 ans qu'Eddie Barclay fêtait il y a 10 jours au VIP Room, une boîte branchée des Champs-Élysées. Autour du pape du showbiz, il y avait de nombreux invités, parmi lesquels Dan Bolander, qui lui s'est invité tout seul, aidé d'un sponsor imaginaire que je vous laisse maintenant découvrir. Bonsoir, ici Dan Bolander. J'ai testé les 80 ans sponsorisés d'Eddie Barclay. Ce qu'arrangerait Eddie Barclay, en fait, par rapport au sponsor, c'est qu'à un moment donné, dans l'interview, vous puissiez dire avec le whisky Gold Label, la soirée est belle. C'est pour lui rendre service, en fait. J'ai pas compris. Label avec Gold Label, la soirée Gold est belle. Label, oui. Vous avez bu quoi, par exemple, là ? Ah bah du Gold Label. Oui, Gold Label. Oui, Gold Label ou Gold Label, si on veut. Oui, en français. En français. Non, non, mais c'est d'ailleurs un très très bon produit. Comme Eddie Barclay sponsorise sa soirée ce soir. Oui, donc c'est... Il m'a demandé si les invités, à un moment donné, pouvaient dire avec Gold Label, la soirée est belle. Alors, la soirée est belle. C'est un whisky, en fait. La soirée est belle. Alors, vous me disiez, Love Amour. Oui, la soirée est très belle. Avec Gold... avec Gold Whisky. Donc, Eddie m'a demandé si, à un moment donné, dans l'interview, vous pouviez dire avec le Whisky Gold Label, la soirée est belle. Ça lui rendrait service. Ah bon ? Ouais. Ah bon. Bah, s'il a besoin de service, j'en offrirai. Voilà. Donc vous me disiez que la soirée était belle, en fait. Oui, bien sûr. Parce que vous avez bu... Non, et vous ? Oui, plein. Oui, ça se voit. Je suis pas un écran publicitaire, mon vieux. Alors vous me disiez qu'avec Gold Label... Je disais rien du tout. La soirée... D'abord, je connais pas. c'est un whisky, en fait. Voilà. Je ne bois que de l'eau. Happy birthday to you. La soirée est belle. La soirée est belle. Avec Gold Label. Très belle soirée. Parce que vous avez bu... De l'eau. Non. Si. Non, c'est pour rendre service à Eddie parce que... À Eddie ou à toi ? Non, Eddie, parce qu'en fait, on fait sponsoriser la soirée, vous savez. Bah, il y a plusieurs sponsors. Eddie, bon, alors donc, vous me disiez que vous aviez bu du Gold Label. J'ai bu ce que tu veux, fais pas chier. Non, c'est Eddie Barclay qui m'a demandé de ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait d'Eddie parce que c'est pas son style. Non, c'est un grand monsieur, c'est pas le genre de mec à faire bien sûr. Non, mais c'est par rapport au sponsor. C'est par rapport au sponsor de la soirée. J'ai l'impression que tu fais un numéro de claquette et ça, j'aime pas ça. Happy birthday to you. Play it house. Alors, qu'avez-vous bu par exemple ? Ben moi, je bois pas beaucoup, moi. Non, il faudrait dire vous avez bu du Gold Label, le whisky, ça rendrait service à Eddie Barclay. Alors, vous avez bu quoi ce soir ? Moi, j'ai bu un petit coup de rouge. Oh, si vous dites juste avec Gold Label, la soirée est belle. Ah, tu veux de la pub, toi ? Ben, c'est pour Eddie Barclay, c'est un des sponsors de la soirée. Eh ben, grâce à la vue est belle. Gold Label, voilà, très bien. La soirée est belle. La soirée est belle, c'est bien, ça. Non, mais il faut le placer naturellement. Oui, mais c'est difficile. Je sais, mais il faut pas que ça fasse publicité. Vous voyez. Alors, vous me disiez quoi sur Eddie Barclay ? J'ai dit que c'est un merveilleux jeune homme. Que la soirée était belle. Et la soirée était belle et Gold est belle. Non, avec Gold Label. Avec le Gold Label. Merci, Michou. Oh, aucun celui-là. Happy birthday to you. Play it out. Avant de prendre le volant, je ne prends qu'un whisky Gold Label. Parce que avec Gold Label, au volant, la vie est nettement plus belle. Bonsoir, Eddie. Bonsoir. Voilà, j'ai vu tous vos invités, hein. Donc ils ont tous cité le sponsor. Ils m'ont tous parlé de Gold Label. Ah bon ? Gold Label, le whisky. Ah, ce que vous buvez actuellement. Ah bah voilà, je vais vous dire s'il est bon alors. En fait,
fait, avec Gold Label, la soirée est belle. Eh ben, c'est très bien. Vous l'avez dit. Dan Bolander. Alors, plusieurs précisions. Plusieurs précisions. D'abord, évidemment, cette marque n'existe pas, ne la cherchez pas. C'est Dan Bolander qui l'a totalement inventé, le Gold de la Bolle. Et si vous buvez du whisky, buvez-le, évidemment, avec modération, il faut le rappeler. C'est vraiment dommage. Isabelle, hein. Il n'y est pas allé au début de la soirée, là, quand même. Non. C'était déjà la fin de soirée. Vous croyez, hein. Oh, je sais pas. On va avoir une des amies d'Eddie Barclay qui va nous raconter ça, parce qu'elle va nous rejoindre. Moi, j'aurais aimé être à cette soirée, parce que une fête Barclay, ça vaut son pesant de cacahuètes. Franck Dubosc. C'est dommage que ce soit que Gold Label n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'avec Gold Label, la soirée est belle. Maureen. Ceci dit, ça aurait été très possible qu'ils fassent sponsoriser par bien sa sûr, soirée. Maintenant, la plupart des gens, il y a même les grandes, grandes, très belles soirées au Ritz, au Crillon, n'importe où, elles sont toutes comment, sponsorisées. Comment hein. Tu veux dire qu'elle n'était pas sponsorisée, la non, soirée Non, Claude, c'était une blague, ça, ce que vous avez vu. Ah, mais j'avais... Je croyais que c'était pour le vrai, moi. Mais non, non, bien sûr, non. C'est une marque inventée. Non, j'imagine Claude, demain, chez son commerçant, mettez-moi 10 caisses de Gold Label. Des rêves. C'est pas évident de se faire sponsoriser par des marques. Hein. Oui. Parce que moi, mon anniversaire, j'ai essayé Apéricube, Sopalin, Chips, Flodeur, des trucs comme ça, mais ils voulaient pas. Hein. Ils ont pas voulu. Non, il y a que Durex qui a accepté. Enfin, bon. Durex. Durex, oui. C'est quoi, c'est un préservatif? Non, ce sont des petits chapeaux. Allez, il est temps de recevoir parmi nous une personnalité qui, elle, était vraiment invitée de la soirée, puisqu'elle fait partie des meilleurs amis d'Eddie Barclay. Il faut dire qu'elle a longtemps été l'égérie d'une célèbre institution de jeunes filles, le fameux Crazy Horse Saloon. Laurent, je vous demande d'accueillir Love Amour. Avant, je voudrais... Qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, Laurent. Qu'est-ce que fait Franck Dubosc? Regardez ce qu'il fait. Laurent, écoutez. Quand j'ai su qu'on recevait Love Amour, ma fiancée m'a dit, je te préviens, tu ne touches pas. Et comme j'aime tenir mes promesses, je mets toutes les chances de mon côté. Donc je ne vous verrai pas, Love. Je suis Franck Dubosc, bonjour. Vous touchez qu'avec le regard? Même pas, là. Si non, il se regarde, il s'est ligoté les mains. Parce que j'ai vu ses beaux yeux bleus tout à l'heure à l'écran. Gourmand. Alors, Love Amour. On vous voit en photo avec Eddie Barclay. Vous étiez donc à ses 80 ans. Est-ce que c'est la première fois que vous alliez à son anniversaire? Non, 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 c'est pas la première fois, mais je trouve que c'est une fête merveilleuse. C'est Monsieur Fête, Monsieur Micro-Sillon. Bon, il fait partie des... j'allais dire une chose, il fait partie des monuments de Paris, pas sur l'âge. Mais... Monument historique. Oh bah 4... Pas sur l'âge. 80 printemps, c'est un monument, vous pouvez le dire. Mais bon, c'est un homme. Excusez-moi, vous, c'est pas Madame Micro-Sillon. Hein. Non. Pourquoi vous dites ça, Derek? Comme ça. C'est vrai que j'ai vu sur le double compact. J'ai l'impression de louper quelque chose, moi. Très bien enlevé ton masque. Vous n'avez pas changé, hein, Lova. Il y a toujours du monde au balcon, hein, je veux dire. Bah, toujours, et vous ah non. Mais nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, Lova, c'était bien cette fête? C'était merveilleux, c'était merveilleux, bien sûr. Est-ce que vous faites vraiment partie des amis d'Eddie Barclay? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a tellement de monde qu'on se dit, c'est pas possible, il ne peut pas y avoir que des amis, on dit toujours, non, ça se tient non, sur les doigts d'une main. Moi, je suis une relation, j'admire cet homme, il était ami avec mon mari à l'époque, mais je ne suis qu'une relation. Ce qu'on n'a pas dit d'Eddie Barclay, c'est que c'est un vrai précurseur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le milieu du disque, un grand jazzman, un grand pianiste, un grand compositeur, je crois d'ailleurs qu'il va composer quelques chansons sur le prochain album de Barbara Streisand, c'est bien ça? Tout à fait. Et aussi pour Gilbert Montagnier. Bon, enfin, voilà, c'est pas pareil. Cécilie, on n'a plus tellement l'impression qu'il s'amuse dans ces fêtes. Si je peux me permettre. Bah, oui. Bien sûr, parce que ça a l'air super marrant. Si, je pense que s'il organise ses fêtes, c'est que ces fêtes-là l'amusent. Il fallait voir le moment où il a soufflé les bougies tout de même. Parce que Laurent, vous étiez un petit peu cruel tout à l'heure en disant qu'on allait faire des gâteaux à la purée, hein, voir si les bougies allaient tenir dans la purée. Tout de même, quand il a soufflé 80 bougies, il a perdu son dentier. Oh et alors, il y a une bonne âme qui travaille dans la production cinéma qui a plongé la main et qui l'a ressorti en disant « J'ai vos dents ». On parlera
du pacte des loups tout à l'heure. Bon. Du Basque. Et, vous parlez de Gilbert Montagnier tout à l'heure, je profite pour parler. Est-ce que je pourrais au moins me permettre de baiser la main de Lavar? Bien sûr, vous pouvez baiser, mais. Restez ici. Je vais te guider, voilà. Merci Claude. Voilà, viens, tu peux lui baiser la main. Voilà, elle est là. Voilà. Attendez, je peux me permettre d'enlever votre gilet? Vas-y. Elle a un gilet sur le... Tu vois pas la différence? Mmh. Ah, ça bon, fait ça plaisir. Ça suffit maintenant. Tu connais ça, toi, Lidon. Bon. Ah, moi, je connais les femmes, tu sais. Merci, Lova. Love amour, dans ce genre de soirée. Bravo, Derek. Love amour dans ce genre de soirée. Si évidemment on vient tous en tant qu'amis d'Eddie Barclay, en revanche on croise parfois des gens avec qui on n'est pas forcément amis. Dites-moi. Ben moi je connais personne quand je vais dans ces soirées. C'est vrai? Je viens avec un copain ou une copine et puis. Enfin je regarde. Non, alors, c'est... Et puis voilà, c'est la fête, mais c'est pas une obligation que vous connaissiez tous les gens de cette fête. Non mais Love amour, attends, c'est dingue ce que tu nous dis là. Tu connaissais personne. T'étais vraiment la petite provinciale, non, t'es arrivée avec ta petite copine. Je connais quelques personnes, mais je connaissais pas toute l'assemblée. Il y a du masque qui se retient, là. Non, parce que je suis pas une mondaine. Donc je vais très rarement à des soirées, je suis pas mondaine. Mais pas mondaine du tout. Pas du tout. Mes amis, ce sont mes paliers de voisins. Votre frère non plus. Pardon. Roger Moore, on le voit rarement dans... Dites Lova, j'ai juste une question un peu embêtante à vous poser. Une embêtante, ça vous dérange pas? Oh là, j'ai l'habitude. Vous savez quand on vient ici? Je suis matraquée, mitraillée par tous les gens de télé. C'est pas vrai. Oui, vous pouvez. Il n'y a pas de marque, hein, non. Non. Je suis Sainte Blandine, moi. Vous êtes Sainte Blandine? Oui, vous pouvez. Je suis poisson, moi, enfin bon. Dites Lova, j'ai vu qu'il y avait Jean-Luc Lay à la soirée. Et moi, en lisant VSD, j'ai lu que vous aviez dansé pendant les fêtes de fin d'année chez Jean-Luc Lay, vous avez fait de la promo partout pour ce spectacle, et j'ai lu que Jean-Luc Lay, vous n'avez pas payé parce qu'il a dit que c'était pas prévu. Oui, mais j'ai des coups de cœur comme ça, moi j'ai une parole, je suis une femme, mais j'ai quand même une parole comme un mec, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais des cadeaux, mais aussi, il faut que dans l'autre sens, on ait une parole. Ouais. Et normalement, on ne travaille jamais sans rémunération, ça n'existe pas. Évidemment. Donc la vie est un grand livre ouvert, on tourne les pages, quand c'est pas bien, on les tourne rapidement. Donc là, vous l'avez croisé, Jean-Luc Lay, vous lui avez réclamé le chèque? Non, j'ai de la classe quand même. Lova, votre décolleté est un livre ouvert, j'ai envie de tourner la page moi aussi. Alors, vous avez des questions à poser à Love Amour, Isabelle Alonso? J'avais pas une question à poser à Love Amour, mais je voudrais prendre la défense de Love Amour parce que je trouve qu'on l'agresse beaucoup ces temps-ci dans les médias, qu'on dit des tas de choses sur elle, et je trouve pas ça normal. Voilà une fille qui a fait beaucoup de choses pour plaire aux mecs. Je trouve qu'elle a vraiment joué le jeu. Elle a fait. Les mecs devraient être reconnaissants et lui dire merci, Lova. Et au lieu de ça, je fais toujours des agressions sur des tas de trucs. Et non, je trouve ça normal. Les alors je dis qu'elle est sympa, elle fait de mal à personne et que c'est pas très sympa. Moi, je la trouve impayable. Moi aussi. Et mais c'est formidable ce que tu dis. Tu veux pas rejoindre notre mouvement? Ça s'appelle les chiennes de garde. Signalons d'ailleurs. Et je vais vous l'offrir, Love Amour, que Isabelle Alonso vient d'écrire, si on ne le sait pas encore, on ne saura jamais, mais vient d'écrire un livre, c'est Pourquoi je suis chienne de garde. Absolument. Et c'est chez Robert Laffont. Ça vous intéresse de le lire? Ah, mais bien sûr. Vous aimeriez être chienne de garde? Pourquoi pas? Oui, vous êtes féministe, vous, Love Amour? Oui, je suis un petit peu tout, moi. Ah oui, elle est pas trop chérie. Moi, je tous les faibles. Mais je vous trouve très sympathique ce soir. Voilà, très sympathique. Aussi, je comprends pas qu'on la débine. Ouais. Je fais des choses. Vous savez, on critique mon physique, on critique tout. Mais je fais des choses, moi aussi, je travaille. Je viens de monter ma revue, Love Amour de Paris, qui part faire le tour du monde. C'est pas vrai. Donc voilà, je fais aussi des choses. Love Amour de Paris, ça s'appelle. Oui, tout à fait. Et ça part à travers le monde. Est-ce que vous retournez aux Crazy Horse ou est-ce que vous êtes toujours un peu en bisbille avec eux? Non, je ne retourne pas. Non. Moi, je suis en bisbise avec personne. Depuis la disparition d'Alain Bernardin. Pour moi, le crazy, c'était Alain Bernardin. Voilà. C'est tout. Votre époux. Bon, parfait. Voilà. On n'en parle pas plus. Maureen, je vous vois comme ça, ébahie devant le vent. Mais non, mais parce que je me dis, vous avez pas envie un jour de vous laisser aller, quoi, de vous dire, j'ai plus envie de me maquiller, j'ai plus envie. Mais vous venez chez moi, j'ai mes animaux, je me laisse aller comme tout le monde. Là, ce soir, je viens... Oui, on voit ce que vous en faites. Là, je viens chez
chez Monsieur Ruffier. Pour moi, on m'a enseigné, ça fait partie de mon éducation. Je rends hommage en essayant de me faire jolie, comme je l'entends. Mais c'est réussi. Voilà, c'est tout. Chez moi, je suis comme tout à chacun. J'ai mon panier, je vais faire mes courses à mon marché. Et je suis une bonne cuisinière, mes amis pourront vous le dire. Et une bonne petite maîtresse de maison. Non, moi, j'ai une question quand même un peu sérieuse. Parce que vous avez déclaré un jour à la télé, je me souviens, on vous avait dit, mais quand même, au début de votre carrière, vous aviez des petits seins plutôt. Et puis après, d'un seul coup, vous avez eu des gros seins. Est-ce que vous avez fait une opération, etc. Et vous avez répondu, c'est à partir du moment où j'ai pris la pilule que j'ai commencé à avoir des gros seins. Alors quand même, les années, la pilule, c'est pas très gentil de dire ça aux filles qui ont des petits seins et qui voudront en avoir des gros. Vous savez, parce que si j'ai été engagée au Crazy, c'est parce que j'avais un corps très bien roulé. Les gros nichons pas toujours été à la mode. Ce que je voulais dire, c'est que vis-à-vis des autres femmes, celles qui ont éventuellement la sensation de pas avoir des seins tout à fait assez gros, si les seins grossissent quand on prend la pilule, si d'autre part quand on arrête la pilule, on se retrouve comme Maureen, c'est-à-dire quand même avec des très gros seins. Plus personne n'aurait de petits seins. Et ma chère ni celles qui prennent la pilule, ni celles qui la prennent pas. Un corps change. On est plus pulpeuse, on est plus volumineuse. C'est la vie. Bon, alors les filles qui ont des petits seins, donc à prendre la pilule, j'ai des doutes. Hein, non, mais de toute façon, Crazier, ça allait mieux prendre la pilule, hein, non? Comment? Moi, je voudrais qu'on revienne un instant. Pardon, Jean-François Derek. Non, j'ai pas de questions à lui poser. J'avais juste des chiffres à lui donner. Oui. 0, oui. 6, 8, 2, 4, 5, 0 et 2. Ce ne sont pas ses mensurations, c'est son numéro de téléphone. Non, c'est le téléphone de mon frère. Je voudrais qu'on revienne un instant à la soirée d'Eddie Barclay. On lui a demandé dans la presse quel était le divorce qui avait été le plus douloureux pour lui, parce qu'il a quand même fait 8 mariages. Alors, c'est aussi pour ça qu'il est célèbre, Eddie. C'est pour tout ce qu'il a fait, mais c'est aussi pour la fête et les mariages, évidemment. Et il a fait 8 mariages. Il dit pour le plus. Pour faire la fête, il a fait des mariages. C'est vrai? Bah, je suppose. Ouais. Alors il dit, le divorce le plus douloureux, c'est le dernier, celui avec Caroline, c'est celui qui m'a coûté le plus cher, dit-il. Quand on aime, on ne compte pas, mais quand on n'aime plus, on se met à compter. Je trouve ça très joli, c'est une belle phrase de la part de Barclay. Et c'est lui, Barclay, là je voudrais vous tester, vous, dans la bande, peut-être vous aussi, Love Amour. C'est lui, Barclay, qui en 1972 sortait un disque qui a fait un tabac mondial et qui s'appelait Popcorn. Est-ce que vous vous souvenez de la musique de Popcorn? Allez, zut, public! Imaginez un jeune qui prend l'émission en cours de route et qui se dit « ça a fait un succès mondial ». Eh oui, bah ça ressemble à la techno d'aujourd'hui, hein, je vous signale. Quasiment. Allez. Nous n'étions pas à la soirée. Barclay, Bollander l'a testé pour nous. Vous aussi, vous aviez cru vraiment au sponsor de Bollander? Oh, je sais pas, je suis toujours dans un nuage, alors je sais même pas ce qu'on m'a fait dire. On vous remercie en tout cas d'être passé nous voir. Bravo et merci Love Amour en tournée avec sa revue, la revue de Love. Vous êtes plus gentil que je ne le pensais. Je suis plus gentil que vous. Ah oui, là, vous m'avez séduite, là. Je vous ai séduite. Ah oui, oui, oui. Mais est-ce qu'on peut faire un petit peu de publicité? Oui. Grâce à Love Amour, la belle, notre soirée était belle. Ah. Bah, écoutez, hein. Laurent, on termine alors. Boxe. Un peu de boxe, du sport maintenant. La semaine dernière, Brahim Asloum, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney, catégorie mimouche, disputait son premier combat professionnel, catégorie coq. C'était au Palais des Sports. Phil Mouche, Maureen d'or, qui croyait jusqu'alors que les combats de coq étaient interdits, a assisté à la rencontre et testé le public amateur de professionnel. C'est la première fois que vous alliez à un combat de boxe? Voilà, donc j'ai testé aussi pour moi mon premier combat de boxe. Et ça vous a plu? Écoute, oui, et étrangement, oui. J'étais persuadée que j'allais passer mon temps comme ça à dire « Ah non, je veux pas avoir du sang, je veux pas avoir du sang, je veux pas avoir des gens qui se mettent sur la figure. » Et en fait, c'est très étrange, c'est que par rapport à la télé... Faut dire que vous aviez passé l'après-midi à la Défense et... non, mais par rapport à la télé, où c'est vrai que les caméras nous permettent de voir les cocards comme ça de près, les arcades sourcilières qui pètent, de loin... On a un peu l'impression que ça fait bings bings comme ça. C'est un peu des copains dans la cour de récréation qui se tapent, quoi. En tout cas, sur place, vous avez posé quelques questions au public présent, le tout devant les caméras de Julien Héron. Est-ce que
c'est possible que le match soit truqué? Parce qu'il est quand même... Oh, oh, allez, hop. Non, 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 non. Mais vous voulez faire dire quoi, vous? Mais non, mais écoutez-moi, c'est une question que je me pose. Attendez, moi j'ai pas dit rien. Si. Il n'y a pas de combat truqué, c'est truqué parce que peut-être que l'autre, il va avoir un niveau inférieur. Voilà. Mais c'est pas truqué. Mais c'est, c'est pas truqué, le mec il le sait qui boxe. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière. Boxe. Et il n'y a pas de trucage, hein. Je vous ai entendu dire ça tout à l'heure. Il y en a beaucoup dans la politique, mais pas dans la boxe. Mais c'est vrai que c'est un petit peu organisé pour que de bons boxeurs arrivent assez loin, rapidement, quoi. Ça va faire 3-4 rounds et après ça va arrêter. Il va pas prendre des risques à son premier combat pro, faut pas rêver quand même. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, boxe, boxe. Ça paraît, c'est truqué. Non, c'est... Ouais, non, un peu. On s'est fait un peu avoir, quoi. Ouais, franchement, c'était bien, mais ça se voyait carrément que l'adversaire, il n'était pas au niveau. Quoi, c'est voilà. Des acteurs. Non, franchement, c'était sympa. C'était une comédie, quoi. Mais bon. Nous, on est tous vénères. C'est pas, c'est une réunion, mais c'est de la merde, quoi. Il n'y a que des acteurs là-dedans. Il en arrête pas un combat comme ça. 5 secondes après, il était en piste, il avait les bras en l'air et tout. Il était en pleine forme. Il n'aurait jamais dû arrêter comme ça. Ils auraient dû continuer le combat. Le compter, continuer, s'il n'était pas capable, il l'arrêtait, mais pas arrêter comme ça. On vient pas ici pour voir les gens se faire massacrer, on vient pour voir de la boxe. Mais oui, alors, mais justement, au bout de 10 minutes, on n'a pas vu de la boxe. Mais vous êtes vicieuse, vous vouliez qu'il se piétinait, ce pauvre garçon. Vous avez déjà vu dans la boxe des combats truqués? Je vais me faire frapper. Ça, faut demander à Caries. Ça tombe bien, il sera là dans un instant à Caries, Louis. Mais avant, Maureen... Vous voulez ajouter quelque chose? Mais oui, parce qu'en fait, j'ai compris plein de choses. Moi, j'avoue que j'arrivais avec... on n'y connaissait déjà rien. Déjà, si la boxe a aidé Maureen à comprendre plein de choses. Mais non, mais c'est très étrange. C'est que cette fameuse question, est-ce que c'est possible que ça soit truqué? Tout le monde dit non. Non, ce n'est pas truqué, mais c'est de notoriété publique que son adversaire est plus faible que lui. Alors moi, c'est je ne sais pas truqué, comment ça s'appelle. C'est organisé. Voilà, c'est ça. Donc bon. En fait, quelqu'un, on ne l'a pas vu dans le reportage, mais il a dit, avant c'était du sport, maintenant c'est du business. On accueille celui qui fut champion de France et champion d'Europe lui-même, qui est l'entraîneur de Brahim Asloum, monsieur Louis Acariès. Caries, moi je suis de votre côté hein, déjà. Ouais. Mais ça va pas être facile de les convaincre. Vous avez moi, entendu je suis pas de votre côté, Louis. Je plaisante, bien entendu. Vous avez entendu ce qu'a dit Maureen? Non, mais moi j'ai dit quelqu'un qui n'y connaît rien. Quelqu'un qui n'y connaît rien. J'étais très étonnée qu'en fait, je savais pas que c'était à ce point. Travailler. Il débute, donc on lui donne un adversaire pas trop fort, donc on sait qu'il va gagner. Ça, j'étais un peu étonnée de ça. Oui, moi j'ai pas été étonné qu'il ait gagné. Hein. Non, mais l'autre était pas non, très c'était fort. Prévu. Non, mais l'autre était déjà professionnel. Lui, il était pas encore. Il avait 12 combats, son adversaire. Ah, oui, mais il était pas très fort. Hein. Moins fort que lui, certainement. Oui. On peut peut-être rappeler son nom d'ailleurs à son adversaire, Brahim Asloum, ce soir-là. Cuevas. Voilà, et il était dominicain. C'est ça. Voilà. Mais il n'y toujours... a pas que dans le sport, dans l'audiovisuel, c'est pareil. Regarde, nous, on débute, on en veut. En face, qu'est-ce qu'on nous met? Un vieux cheval d'orfour. Bon, c'est truqué dès le départ, c'est la même chose. On remarquera souvent qu'en boxe, celui qui perd est moins fort que l'autre. Non, mais attends. Ça arrive souvent dans d'autres. Je pense, j'y connaissais rien, mais il était vraiment bon, Brahim Asloum. Ça se voit. Mais c'est vrai, mais il avait l'air vraiment bon, il avait l'air à l'aise, il faisait des bons coups. Donc ce que j'ai pas compris, c'est que le match s'est arrêté. Finalement, pourquoi il a pas gagné en seigneur. Alors qu'il pouvait gagner en seigneur. Pourquoi l'arbitre a arrêté le combat? Je pense que l'arbitre s'est précipité un peu, mais il y avait l'enjeu. Je crois que le moins stressé dans toute cette atmosphère, c'était quand même Brahim. Brahim Asloum. Oui, c'était le moins stressé. Lui, il a voulu tout de suite montrer qu'il pouvait battre son adversaire. Il est allé un peu vite, en fait. Il est allé un peu vite, mais ce qu'il voulait, c'est offrir une certaine fête. C'est-à-dire pour son premier combat professionnel, il voulait faire sa fête, donc je l'ai laissé faire, puisqu'il est monté en chantant, en dansant. C'est ça, on lui a reproché d'avoir dansé sur le ring. Oui. Vous, en tant qu'entraîneur, vous lui reprochez ou pas? Je lui reproche pas, je lui ai laissé faire sa fête. Je pense que les combats qui vont venir vont être de plus en plus durs, donc il faudra qu'il se concentre un peu plus. Ça va le calmer, c'est ça? Sûrement, déjà l'entraînement. Vous savez, je l'ai depuis un mois et demi seulement, l'entraînement. Hein. Mais à l'entraînement, déjà, il va se calmer de lui-même, parce qu'il va rencontrer des adversaires beaucoup plus
dur que la dernière fois, ça c'est certain. Moi, il le mérite d'avoir des adversaires plus durs. Ça me permettra d'être encore... Mais c'est sûr, je comprends, Maureen, mais il faut savoir que c'était son premier combat sans casque, des petits gants, bandage dur, dans cette atmosphère, tout le monde l'attendait. Et il a dit quelque chose de très drôle dans l'équipe. D'ailleurs, sans casque, on a un champ de vision plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, il voyait vraiment l'adversaire et les coups qui arrivaient. Et surtout les coups qui arrivaient, ouais. C'est certain. Ça fait vraiment mal. Vous voulez que j'essaye? Non. Moi, je veux bien être amateur. Hein. Oui, mais... J'ai fait un petit peu de boxe à une époque pendant 5 ou 6 minutes, pas plus, où j'ai fait un combat, je me suis pris un coup sur le front, je suis tombé, et là je me suis relevé comme ça. Le match était fini depuis 5 jours. Je me suis dit, tant pis, je vais faire de la danse, j'aime le risque. Il a bien fait. C'est... Mais vous l'avez pris ici. Ici. Si vous l'aviez pris ici, vous ne serez pas relevé. Ah oui? Oui, il y a une différence. Heureusement que je n'ai pas continué. Pourquoi? Attendez, expliquez-moi là. Sur le front, un coup sur le front, c'est rien du tout. Bah, front, non, pratiquement rien. Vous savez, il est dur votre front, je suis certain. Hein. C'est vrai? Est-ce que la mâchoire est pleine de verre? N'essayez pas. On a tout essayé, mais pas sur mon front. Hein. Derek? Oui, alors, parce qu'on dit, alors, le match était déséquilibré. Alors c'est ça le problème, c'est qu'ils étaient trop, les deux adversaires n'étaient pas à la hauteur. Alors c'est pour ça, si par exemple l'autre qui était plus faible, pourquoi on ne lui a pas donné quelque chose pour l'aider, comme par exemple un cutter? Bon bah, le match aurait duré un peu plus longtemps. Parce que moi, non, je pense que l'autre a été aidé par l'arbitre. Ah non, mais moi, bah oui, mais moi par exemple, je suis allé voir le match. Bon, le temps, je m'assois, j'enlève mon manteau, je passe un ou deux coups de fil avec mon portable, je m'assois, hop, le match est fini. Est-ce que vous pouvez me rembourser? Une petite question technique qui m'intéresse. Pourquoi ne voit-on jamais sur un ring des boxeurs avec des lunettes? C'est une bonne question. Que font les boxeurs astigmates? Mais d'ailleurs, parce que, comment on voit... il importe. En principe, lui. Il boxe pas. Mais ouais, il emporte des lunettes à la ville. Oui. À la ville, oui, tu l'as vu chez Chirac. Là. Non, parce qu'en natation, ils ont des lunettes. En ski, ils ont des lunettes. Et vous aussi, vous avez des lunettes? Oui. Comment c'est pour bien montrer qu'ils boxent. Vous savez, c'est sans combat. Hein, mais c'est à force de faire des combats qu'on porte souvent des lunettes. En fait, ils voyaient bien au départ. C'est après le combat qu'ils portent des lunettes. C'est vrai? Même les lentilles, c'est pas une blague. C'est pas un sport de tout repos. Attendez, on devient mieux. J'étais en train de parler, Louis. On peut. Attention. Oui. J'étais en train de parler. Tu me refais ça une fois. Non. Non. Tu me refais ça une fois, je te laisse parler. Non. C'est vrai, j'avais fait un film dans lequel je jouais un boxeur. C'est vrai. Et des gants et on m'avait mis des lentilles pour la couleur des yeux. Et je m'étais pris un coup assez léger là, mais la lentille avait bifurqué sur le côté de l'œil, ce qui fait qu'on peut même pas boxer avec des lentilles. En fait, je pense. Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est vrai. Moi, j'étais parti là dans le. Pourquoi? Alors, c'est irrémédiable. Par exemple, une cataracte, vous êtes interdit parce que si on vous opère, vous avez un cristallin, on le change, c'est interdit. La myopie, elle est acceptée à un certain niveau. Ouais. Okay. Un truc qui est interdit aussi, c'est la paralysie générale. Ouais. Encore, vous savez. Mais attendez. Et 13 bits sur un ring, ça fait mauvais effet. Un décollement, on peut le soigner. Un décollement de rétine, c'est pratiquement interdit, mais si on le soigne, on prouve qu'on peut boxer. C'est arrivé à Reshuga Leonard lorsqu'il avait été justement atteint par un décollement de rétine. Et après des années de soins, il a pu rencontrer Aglaire. Bah oui, moi, on porte des lunettes parce que depuis l'âge de 2 ans, hein, depuis qu'on a entendu dire qu'on tape pas sur les enfants à lunettes. Alors, moi-même, quand j'étais petit, quand j'avais entendu qu'il était interdit de frapper sous la ceinture, moi je portais la ceinture sur le front. Derek, vous vouliez ajouter? Non, si on louche aussi, c'est pas... Si on louche? Si on louche, c'est pas terrible de boxer, parce que vous voyez le mec là, et en fait il a pété. Ouais, faut faire du catch à 4 voilà. Dans ces cas-là. Alors justement, le catch, ça on le sait, c'est plutôt truqué. Ça, c'est une question qu'a posée Maureen. La boxe, ce n'est pas truqué, mais on dit organisé avec des guillemets. Bah oui. Là, il fallait qu'il gagne, Brahim Asloum. J'en reviens au combat un peu. Mais heureusement, oui, il fallait qu'il gagne. Oui, parce que vous ne le verrez plus derrière. Hein. Non, mais on lui a mis une brèle. On ne pouvait pas mettre un autre boxeur un peu plus à son niveau? Alors, son niveau, c'est olympique. Oui. Imaginez-vous faire un premier combat professionnel avec un adversaire de son niveau. D'abord, les deux, je pense, auraient refusé de se rencontrer. Et puis, si un jour ils doivent se rencontrer, ils se rencontreront pour un titre mondial.
C'est un garçon sympathique, c'est aussi pour ça j'imagine que vous aviez envie de le signer. Il a un charisme fou, les Français l'adorent depuis les JO. D'abord, il avait ses cheveux bleu-blanc-rouge, ce discours après la médaille d'or, qui ont fait que d'un seul coup, c'est devenu un des sportifs les plus populaires des Jeux Olympiques de Sydney. C'est une des raisons, j'imagine, en dehors de son talent de boxeur, qui ont fait que vous l'avez signé, Louis. Il est naturel. Oui. C'est, je dis un gosse, il ne faudrait plus que je dise ça, parce que c'est quand même un gosse, mais il est naturel. Et je pense qu'il est très intelligent. Et il va supporter et quand ça, même. C'est inhabituel ? Non, et là, non, ce cas-là, vous non dites, c'est pas inhabituel, c'est une bonne question. Mais il sort du lot quand même. Hein. Il sort du lot parce que personne ne lui a dit aux Jeux Olympiques de mettre le drapeau bleu-blanc-rouge, personne ne lui a dit de se teindre en blond. Il était sûr de remporter cette médaille d'or. Non, c'est extraordinaire. N'oubliez on pas l'adore que tellement qu'on voudrait qu'il arrête la boxe. Le plus jeune des Jeux Olympiques de tous les participants confondus, et c'était le plus petit poids. Non, on lui a reproché, de... je vous laisse la parole dans un instant, mais on lui a reproché justement, à l'issue de ce match, la fameuse cérémonie où c'est son père, je crois, qui lui a remis la médaille d'or des JO. Ça n'avait pas trop à voir avec le combat du soir, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça, c'est bien. Il n'a pas pu lui remettre, peut-être, à Sydney, c'est pour ça qu'il lui a remis là, hein, en public. Mais il est boxé pour son père aussi. Cette médaille, c'était pour son père uniquement. Ça, c'était bien. Il y a des gens qui ont fait la gueule. Ah, mais ils sont chiants. Il l'a fait. Ah, mais il y en a beaucoup qui vont faire la gueule maintenant. Ils vont quand même se le farcir quelques années. Est-ce que c'est son père qui est bouché? C'est ça? Son père, c'est toute la famille. Voilà, parce qu'il y avait une anecdote formidable, je trouve, c'est à son retour de Sydney où le papa avait fait imprimer des t-shirts avec boucherie Asloum, en sachant que toutes les télévisions seraient là, évidemment, pour filmer le retour du héros. Et en même temps, il faisait une pub pour le magasin de la famille. Mais ce n'est pas ce genre-là. Si vous connaissez cette famille, c'est une famille en or. Sa mère est géniale. Sa mère est géniale. Alors, la mère, elle était très inquiète pendant le combat. Très. Et elle n'est pas venue. Hein. Non, mais, pourtant, venue. À chaque fois, on nous a dit dans la presse qu'à chaque fois, elle disait « Oh là là, ça va, t'es encore bon, Non, elle n'est pas venue. Sachez que Brahim a 22 ans, le frère aîné Karim a 26 ans, et le dernier a 3 ans. Nassim. Il a appelé justement en souvenir de Nassim Ahmed, qui est une grande vedette actuellement. Il a fait une remarque, juste je voudrais dire, il a fait une remarque formidable, Brahim. Il a dit qu'il arrêtait à 27 ans. Ça, c'est formidable, il se donne 5 ans pour faire fortune et il arrête. Alors vous me confirmez, vous me confirmez, Louis Sakarias, est-ce qu'on raconte n'importe quoi dans les journaux? Parce que là, je vois Sébastien Hatton, alors dans François, désolé pour lui, qui me dit, en revanche, il y a bien une personne qui ne lui en voudra pas, c'est la maman du petit Brahim qui, dès sa descente du ring, inspecte le visage de son rejeton. C'est bon, il n'y a rien, tu es toujours beau, mon fils. Ça, c'est pas vrai, alors. Elle n'était pas là. Elle a dû lui dire, mais peut-être après. Ouais. Elle est venue dans le vestiaire parce qu'elle était dans l'hôtel en face du Palais des Sports. Dès que ça a été fini, elle est rentrée. Ah, c'est qu'elle n'a pas assisté au combat. Ah non, non, non. Ah, je comprends. Elle est venue dans le vestiaire. Et elle est venue après pour voir dans quel hôtel il était. Voilà, oui. Ça, c'est génial. Parce qu'elle n'a jamais assisté. Elle a payé une chambre d'hôtel pour 3 minutes. Non, 2 fois 3. Oui. Voilà. C'est Jean-Luc Delarue qui a réglé. Non, Jean-Luc Delarue, non. Jean-Luc Delarue, c'était vraiment. C'est un boxeur? C'est son grand ami. Il manage un peu Brahim Asloum aussi. Complètement, c'est son grand ami. Et il a été séduit après les Jeux Olympiques par ce garçon qui est ouvert, naturel. Et ils ont fait je pense qu'ils vont faire un bout de chemin ensemble au niveau de la communication. Est-ce qu'il est violent en dehors des rings? Parce qu'on a quand même l'impression que les boxeurs qu'on connaît, je pense à Mike Tyson, il y a eu hélas Carlos Monzon, il y en a, tous quand même, ils avaient tendance, même Tiozzo, tendance à boxer en dehors, une fois descendu du ring, avec leurs amis, hélas parfois leurs épouses. Est-ce que lui, il est de ce genre-là? Je crois que la boxe, c'est le sport où il y a moins de violents. C'est vrai? Si vous le prenez en pourcentage. Parce que vous me parlez de trois ténors, ou deux, on va en prendre. C'est Tyson, parce qu'on l'a poussé à être comme ça. Moi, j'ai connu Tyson tout jeune, il était adorable. Okay. Bon, Carl Monzon, c'est un cas. Mais violent. C'est pas parce qu'il a jeté sa femme par la fenêtre qu'il est violent. Hein. Oh non. Voilà. C'est vrai. Vous rigolez Je savais que j'allais vous faire rire comme ça. Voilà, elle buvait trop. Il avait décidé de jeter l'épaule. Non, c'est dommage. En fait, ils ne sont pas violents, les boxeurs. Attendez, je ne peux pas laisser dire ça. Si, jeter sa femme par la fenêtre, c'est pas bien, c'est violent. Non, non, mais c'est vrai que chez les boxeurs... Boxeur, hein, attends, c'est violent si la fenêtre est fermée. Chez les boxeurs. Mais sinon, ça passe tout seul, là. Bravo, Philippe. Merci, Philippe. Je
te rappelle que tu es chien de garde, Philippe. C'est vrai. Vous vouliez ajouter, Isabelle. Non, mais c'est vrai que les boxeurs, qui sont des mecs, qui sont des vrais sportifs, ils ont une forme physique qui a dans très peu de sports. Allez un jour, moi j'y suis allée, hein. Alors allez vous entraîner avec des boxeurs qui sautent à la corde, qui font des abdos, enfin c'est infernal. C'est vrai que ça leur bouffe leur énergie et qu'après ils sont plutôt calmes, hein, quand ils rentrent à la maison, c'est vrai. Encore une petite question technique. Oui. On parle de dopage dans beaucoup de sports. Est-ce que, par exemple, dans la boxe, il y a des contrôles? Est-ce qu'on fait des analyses de ring après le... Non, il y a des contrôles. Est-ce qu'on fait quoi, Yannick? J'ai pas entendu. Des analyses du ring. Des analyses du ring. Là là. Ce mot d'esprit nous était envoyé par Bruno Mazur. Allez, c'est le mot de la fin. On vous remercie. Et grande et bonne carrière à Brahim Hassoum, qu'on beaucoup. Aime beaucoup. Et bonne chance à vous et à Jean-Luc Delarue. Merci beaucoup. Qui vous occupez, on le sait, ainsi que Michel Denisot d'ailleurs. Exactement. Denisot, vous et Delarue, on vous souhaite bonne chance avec Brahim Hassoum. Il est bien encadré. Longue carrière, merci. Au revoir. On change de sujet. Ah ouais. Un peu de politique. Hein? Un peu de politique dans l'émission, ça fait du bien, et vous ne le savez peut-être pas encore, mais dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, la bise est interdite entre les députés. Eh oui, seule la poignée de main est tolérée, et si un de nos élus en baise un autre, si j'ose dire, eh bien il sera immédiatement rappelé à l'ordre par un des huissiers du Palais Bourbon. Chargé de l'application, évidemment, du règlement, ils sont toujours là pour intervenir. Dan Bolander, lui, chargé de mission à l'ambassade de France, est allé tester le bisou chez les députés. On regarde son reportage. Bonjour, ici Dan Bolander à l'Assemblée nationale. Les députés ont beaucoup de droits et de privilèges, mais il leur est interdit de s'embrasser dans l'hémicycle. J'ai testé aujourd'hui les bisous entre députés. Et des baisers, des millions de baisers, la nuit, le députés jour. N'ont pas le droit de se faire la bise à l'Assemblée nationale. Ah, quand il y a le président dans séance, non, tant que le président n'y est pas, oui. Quand on sort, en général, il nous voit pas, quoi. Il nous voit de dos. Ah, d'accord. Donc, vous faites ça discrètement, en fait. Voilà. Mais lorsqu'il n'y a personne, quand les 5 ou 6 ou 10 dans l'hémicycle, tu parles, qu'est-ce que ça fait? Ah, bon, d'accord. Oui. Ah, tu comprends que tout, avec tout ce protocole, hein. Mais si, j'ai embrassé Sylvie Andrieux, moi. Dans l'hémicycle? La semaine dernière, oui. Et il paraît que c'est défendu. Bah, écoutez, j'ai fait un bisou et personne m'a sauté dessus. Elle embrasse bien? Non, mais embrasser sur la joue, et oui, mais elle embrasse bien sur la joue. Elle a une joue. Très douce. Il paraît que les députés n'ont pas le droit de s'embrasser dans l'hémicycle. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? On m'a dit ça depuis quelques jours. Moi, j'ai jamais eu envie d'embrasser une députée dans l'hémicycle. Imaginez que vous avez envie d'embrasser une femme députée. Oui, ben je ne le ferai pas. D'accord. Mais je ne savais pas que c'était interdit. Maintenant que c'est interdit, je vais y réfléchir. Et des baisers, des millions de baisers, la nuit, le jour. Si vous embrassez une députée, vous avez une amende? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Non. Mais d'abord, un, on ne le fait pas. Et deuxièmement, on n'aura pas une amende, mais vous pouvez avoir un appariteur qui vous fait remarquer que non, il ne faut pas faire ça. Vous le faites ou pas? Je le fais, mais le président nous dit à chaque fois que c'est contraire au règlement. Oui, ça m'est arrivé, parce que tout ce qui est interdit, c'est agréable de le transgresser. Il paraît qu'à l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit de s'embrasser. Bah, je ne vais sûrement pas vous embrasser, vous, mais j'embrasse toutes les jolies femmes. Ah, s'il s'agit d'étreintes plus affectueuses, ce qui peut arriver aussi, c'est... regrettable. Et des baisers, des millions de baisers sur notre amour. Sinon, vous vous cachez derrière les colonnes. Ah, bah après, on se cache dans les bois, dans les forêts, là, dans les bosquets, partout. Ah, oui, bah oui, ah, oui c'est ça. Comment voulez-vous qu'on fasse autrement? Vous, du haut de votre perchoir, est-ce que vous voyez certains députés s'embrasser? Non. Jamais? Non. Non. Certains, paraît-il, s'embrassent. On ne se bécote pas dans l'hémicycle. Non, mais entre s'embrasser et se rouler une pelle, vous êtes d'accord qu'il y a amende? Oui, évidemment. C'est dans le genre bisous-bisous ici. Quelle est la femme députée qui embrasse le mieux? Sur les joues, je sais pas. Ah, Roselyne. Roselyne a une peau très douce. La femme députée qui embrasse le mieux. Écoutez, moi, j'ai un faible, mais est-ce que j'ose vous l'avouer? Oui. J'imagine, parce que c'est pas, pour moi, quelque chose qui traduit un sentiment éprouvé, mais Christine Boutin, ça doit être pas mal. Le président de l'Assemblée nationale, Monsieur Forny. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Vous avez l'air affligée, Isabelle. Je suis affligée, c'est lamentable. Pourquoi? Tous les mecs, ils sont là, oui, elle a la peau douce, oui, elle a la peau pas douce, et merde. On a envie de leur dire, les femmes députées sont là pour être députées, c'est pas pour embrasser les mecs, quoi. Oui, mais puisque c'est interdit de s'embrasser de toute façon. Donc, vous êtes... très bien. Ah, vous trouvez ça très bien? Non, mais je vais vous dire, c'est très bien, parce que c'est vrai que faire la bise, des fois, c'est fastidieux. Faire la bise à un beau mec...
ça peut être agréable. Mais faire la bise systématiquement à tous ses collègues de travail le matin en arrivant, franchement, mais c'est galère. Je vous remercie. Non. Quand vous arrivez à la radio à Europe 1, c'est pour ça que vous ne nous faites pas la bise, non, alors. Mais moi, c'est moi qui me jette sur vous, Laurent. Ah, c'est vrai. Dubosc. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, là, si t'embrasses que les beaux, ça fait... Bonjour, salut, ça va, toi t'es trop moche, et tu passes à tout le monde. C'est vrai, c'est terrible ce que vous avez dit, Isabelle. Attends, à qui c'est pas arrivé de se sentir obligé de faire la bise à quelqu'un à qui on n'a pas envie de faire la bise au boulot? Mais tu racontes exactement l'inverse de ce que tu dénonces. Oui, c'est ça. Tu dis les types, ah, il est faux, il dit, ils ont la peau douce, etc. Et toi, tu dis, ah non, c'est vachement bien d'embrasser un mec qui est bien fichu. Non, je dis autant ne pas faire la bise et serrer la main, c'est bon, c'est cool. Bien sûr, mais le problème est le même, je dis à toi. Ouh, il n'y a plus personne qui vous baisera. Alors ça m'étonne. Je suppose que tu es aussi contre les pipes. Jean-François Derec. Pareil, nous, on est là pour faire les cons, on s'empêche pas que j'embrasse ma collègue de travail. D'ailleurs, mais moi aussi, je vais aller embrasser Maureen. Voilà embrassons-nous. Embrassez-vous tous. Embrassez-vous. Voilà. Embrassez-vous dans le public. Et puis on n'a pas fini. Si voilà. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant. Tu dis qu'on va embrasser, mais voilà. En fait, tu tendais ta joue. Regardez Isabelle. C'est toi. Non, pas vous. Voilà. Écoutez. Jean-François. Voilà. Ah, Franck. Bonjour, bienvenue. Embrassez-vous, baisez-vous entre vous. Dites, on n'a pas fini. Alors, Laurent, oui. Excusez-moi, mais on n'a pas embrassé les téléspectateurs. Bonjour. Allez, pour nous donner son point de vue sur le règlement du Parlement, je vous demande d'accueillir un député de l'Assemblée, M. Christian Estrosi, député RPR des Alpes-Maritimes. Monsieur Estrosi. Monsieur le député, bonjour. Non. Ah, vous voulez pas être embrassé, vous alors. Je suis désolé. Bravo. Ah ouais, je suis pas d'accord. Et Claude Alpic. Ah oui. Excusez-moi. Enfin, ça y est, c'est fait. Voilà, Claude, enfin. Ça. Quand tu non, mais moi, désolé. Tu sais ce qui est terrible, c'est que non seulement j'adore embrasser, j'adore toucher. Ah oui. Mais je mets toujours mes mains partout. Les gens, justement. Je fais pas trop avec toi. Je voulais t'en parler. Attends, Claude, tu adores embrasser tout le monde? Ah oui, tout le monde. Moi, c'est naturel. Je vois quelqu'un, j'ai envie de l'embrasser. Non, ça, c'est pas possible. Non, sur les joues. Et moi, invité, on pourrait peut-être lui laisser la parole quand même. Monsieur Estrosi, bonjour. Bonjour. Si vous avez les joues froides. Mais vous les avez déjà un peu réchauffées, d'ailleurs, madame. Je le regrette. Oh là là. Alors, dites, attends. En joue feu. Moi, je voudrais savoir, vous êtes pour ou contre ce règlement, peut-être archaïque ou non, de l'Assemblée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, d'abord, je veux vous dire que je suis rentré à l'Assemblée nationale, j'en étais le Benjamin à 32 ans, il y a 12 ans de cela. Et lorsque je suis arrivé, accueilli par les huissiers, on m'a expliqué qu'il était interdit de faire un certain nombre de choses, et notamment d'embrasser. Bon, donc, vous n'embrassez pas? Il aura fallu que je sois invité chez vous pour me plonger dans le règlement de l'Assemblée nationale pour mesurer et vérifier que ça n'était indiqué nulle part. Ah, donc c'est une... C'est un code de bonne conduite, c'est une forme d'usage, finalement, que tout le monde respecte, mais qui n'est imposée par aucun règlement. Eh bien, grâce à nous, les députés vont pouvoir à nouveau s'embrasser à l'Assemblée nationale. Vous êtes plutôt pour, vous? Oh, je ne suis pas forcément pour qu'on bouleverse l'éthique à l'intérieur de l'hémicycle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'intérieur des couloirs de l'Assemblée, au-delà de l'hémicycle, finalement, un député, c'est un homme comme tout le monde, ou une femme comme tout le monde, d'ailleurs, et que l'on vive comme l'on vit au milieu des siens, ne doit surprendre personne. Un RPR peut faire une bise à une socialiste. Ça m'arrive. Voilà. Ça m'arrive. Voilà. Quelle oui, horreur. J'ai des amis socialistes, et alors... C'est quand même contre nature, quelque part, non? Contre la vôtre, mais pas la mienne. Il y a tout de même certains UDF qui ont eu l'impression de se faire baiser par des RPR. Il y a des ronchons, hein. Un
interrogé sur ce sujet, Noël Mamère, hein, il râle tout le temps Noël, hein, Noël Mamère, il a dit, règlement ou pas, ici il n'y a personne à qui j'ai envie de faire la bise. Ça c'est pas, remarquez, avec sa moustache ça tombe bien, ça arrange tout le monde, mais enfin quand même, vous moi êtes... non plus d'ailleurs, oui, vous à êtes... Noël Mamère. Vous n'avez pas envie de faire la bise à Noël Mamère? Non, pas forcément. Non. Mais autrement, quand vous arrivez, vous... attention, hein, précisons bien que dans les couloirs vous avez le droit, c'est uniquement dans l'hémicycle que vous n'avez pas le droit de vous faire la bise. Uniquement dans l'hémicycle. Bon, Derek. Alors moi j'ai reçu une lettre. Sachant que vous alliez venir. Donc, bon, je vous la lis. Donc, cher Jean-François, donc Jean-François, c'est moi. Ah oui, c'est de la part d'une certaine Christine B. Voilà 10 ans, cher Jean-François, que je suis forcé de faire loi blanche à l'Assemblée. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ces bises sur les deux joues. J'ai envie qu'on me prenne sauvagement dans les couloirs de l'Assemblée. Dites à ce monsieur Estrosi que j'aimerais qu'il me dépose plein de bulletins dans mon urne. Si vous faites allusion, alors, si vous faites allusion bêtement, Jean-François Derek et Mme Christine Boutin, sachez que Mme Boutin UDF, elle est pour la bise. Elle dit, moi, je fais la bise dans l'hémicycle ou ailleurs. Voilà ce qu'elle dit. Ou ailleurs, c'est-à-dire... Comment ça, ou ailleurs? Ça veut dire sur d'autres parties du corps? Je sais pas, mais en tout cas, partout où elle fait la bise. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de vous embrasser, que quelqu'un soit de gauche ou de droite, ce n'est pas vous embrasser, c'est pas les parties que vous embrassez, sur les gens. Ouais, si on a de la sympathie pour eux, peu importe l'étiquette. Mais méfie-toi, parce que les gens de droite t'embrassent sur la joue droite, les gens de gauche sur la joue gauche, et les centristes essayent de t'embrasser sur la bouche. Vous êtes... On va quand même expliquer aux téléspectateurs que nous sommes actuellement, vous le savez, tout proche de la campagne des municipales, et que vous êtes député des Alpes-Maritimes, mais candidat nulle part dans les Alpes-Maritimes. Je ne suis pas candidat aux élections municipales, voilà, c'est vrai. Voilà, vous serez candidat à nouveau pour les législatives, mais ça... L'avenir nous le dira. Il y a Jacques Chirac qui sait quand c'est. C'est pour ça qu'on fait un sujet politique, là. Exactement. La bise à l'Assemblée, c'est un sujet politique. On ne peut pas parler... Ça y est, j'ai compris. On ne peut pas parler politique en ce moment à cause des élection municipale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel nous interdit de parler politique en ce moment. Puisqu'on ne peut pas parler politique, est-ce que vous croyez par exemple qu'aux prochaines élections, M. Seguin continuera à recevoir des bises à Paris? C'est pas gagné, hein. À mon avis, c'est lui le fameux baiser de l'hôtel de ville. Je voudrais signaler que vous publierez bientôt Insécurité, sauver la République, puisque la délinquance en France, c'est un peu votre marotte, en tout cas la lutte contre la délinquance. Mais on n'est pas là pour parler de ça, mais je voulais quand même signaler que ce sera dans la collection Territoire du futur que paraîtra ce livre. Vous savez quand à peu près? Le 5 mai prochain. Le 5 mai. Vous rappelons aussi, M. Estrosi, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas très bien, que vous êtes un ancien sportif. C'est vrai. Vous avez été champion de moto. C'est vrai. Combien de temps et en quelle catégorie? Oh, une dizaine d'années, en 500 cm3, en 750 cm3. J'ai été, je crois, 4 fois champion de France. Mais c'est pas là que vous dites pendant combien de temps, c'est pas la durée qui compte. Regardez, le champion du 100 mètres, il est champion que pendant 9 secondes et demie. Donc, c'est pas une question. En fait, vous êtes un ancien motard et vous voilà à l'Assemblée aujourd'hui. Oui, j'y ai fait mon entrée en 1988. Et vous voyez, le sport mène à tout avec mes amis Guy Dru, Alain Calma et bien d'autres encore. Et le casque est autorisé à l'Assemblée? Le sport est une belle école de la vie aussi. Mais le port du casque est autorisé à l'Assemblée? Bah oui, pour éviter les bises. C'est presque nécessaire quelquefois. Pour éviter les bises. Et vous avez la visière pour les gens qui postillonnent en face de vous. C'est moi, j'ai un autre casque. Tient à distance. J'ai un autre casque à vous proposer qu'un casque de moto. Peut-être que c'est un casque sous lequel vous êtes allé à l'Assemblée nationale, car j'ai découvert grâce au Parisien dimanche, à une édition du Parisien de le week-end maintenant, j'ai découvert qu'il y avait un salon de coiffure à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Vous y allez de temps en temps? Je l'utilise régulièrement. Régulièrement? Alors ça tombe bien parce qu'on va accueillir la coiffeuse des députés, Madame Cyrille Ribette. Ah oui, quoi? Bah, qu'il y avait une coiffeuse à l'Assemblée. Attends, je sais tout sur la coiffeuse de l'Assemblée. Je sais même qu'elle ne veut pas qu'on l'appelle coiffeuse, elle veut qu'on l'appelle coiffeur. Absolument. Pour moi, la coiffeuse, c'est un meuble. C'est pour compenser tous les coiffeurs qu'on a envie d'appeler mademoiselle. Peut-être. Ah bon, d'accord. Depuis combien de temps vous êtes coiffeur on va dire coiffeur, donc coiffeur à l'Assemblée. Monsieur le coiffeur. Non, non. 19 ans.
18 ans que vous coiffez les députés. Oui, oui. Ça, alors, de droite comme de gauche, j'imagine. Absolument. Bon, comment on devient coiffeuse de députés? On devient coiffeuse tout simplement par un... J'ai vu un jour un article dans un journal, c'était Jour de France, c'est il y a très longtemps. Oui, évidemment. Et Madame Darcourt demandait à ce qu'il y ait un... Député RPR. Oui, à ce qu'il y ait un coiffeur pour dames, parce qu'on ne s'occupait pas des dames. Elle trouvait que c'était injuste. Et on a l'administration avec beaucoup de difficultés à essayer d'organiser quelque chose pour les dames. Donc il y a eu un concours et voilà. Car vous n'êtes pas toute seule, hein. Vous avez 2-3 coiffeurs avec vous, évidemment. Oui, absolument, 3 coiffeurs. Pour 577 députés, il faut quand même du monde. Oui. Est-ce que c'est vous qui coiffez Santini? Et si oui, est-ce que c'est à la toile Non, malheureusement, mais j'ai des entretiens de temps en temps avec lui, il est charmant. Des entretiens en polish, alors. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquels ont des pellicules, des trucs comme ça? Dénoncer un peu. Des pellicules, non. Commence par le début, combien d'entre eux ont des cheveux? Il y en a quand même. Bah, monsieur Estrosi. Et ceux qui en ont peu méritent autant de soins que les autres. Oui, s'il vous plaît, Isabelle, pas de racisme primaire anti-cheveux, s'il vous plaît. Monsieur Estrosi, vous le coiffez? Oui, bien sûr. Allez, Cyril, je vous autorise à tout trahir. Oui, absolument. Et dans le salon de coiffure, on peut se faire la bibise. Ah oui? Oui. Sur l'arrêt? Toujours pas d'équipement. Alors là, nous avons en pleine poésie. Ce que je veux dire, c'est monsieur Estrosi à l'arrêt à droite ou à gauche? Politiquement correct. Comment ça se passe? Ils prennent rendez-vous? Est-ce que c'est vous, en les voyant passer, qui dites « Dis donc, toi, non, je serais... non ?» Non, je les interpelle pas comme ça. Ils prennent rendez-vous, mais il y en a certains qui sont... Coriace à prendre des rendez-vous. Ils viennent sans rendez-vous. Mais c'est gratuit ou... Non, c'est payant. Un peu payant quand même. Un peu payant, ça veut dire un peu payant? C'est-à-dire que c'est un service. Par conséquent, c'est un service comme les services de l'Assemblée nationale. C'est un peu... C'est un prix, mais un prix préférentiel. Ah, des tarifs préférentiels. Oui, c'est cela. C'est-à-dire... On y arrive. Ah, on sait quoi faire gratos, monsieur Estrosi. Hein? Non, pas gratos. Ah, pas du tout. Pas gratos. Non, pas du tout, pas mais... Du tout. Non. Combien? C'est tout la seule chose qui nous intéresse. Combien ils payent? Oui, par exemple. Après, vous demandez brushing. Non, mais je ne sais pas si j'ai... Parce que j'ai un devoir de réserve. Ah. Alors, est-ce que j'ai le droit de communiquer? Ça a apparu dans les journaux. C'est pas... C'est de toute façon des prix différents de ceux qui se pratiquent à l'extérieur. Si c'est passé dans les journaux, dites-le. Et puis, franchement... Bon, ben, je peux le dire, effectivement. Pour un brushing, une femme, c'est... Coupe brushing, c'est 153 francs. Et pour un homme monsieur, 75 francs. Est-ce que vous avez le droit Alors, ça, c'est dégoûtant. Pourquoi? Ça, c'est de la discrimination. Attendez. Attendez. Elle est là avec sa chienne de garde. Ouais. Ah bah alors, moi, j'ai pas de brushing. Attendez. Cyril, on va faire une petite couleur à monsieur Estrosi. Oui, on peut faire des couleurs. On va les couper aussi. Sur les côtés. Non, mais... On s'occupe de vous, mais monsieur ça, je préfère que ce soit Cyril. Hein. Oui, tout de même. Mais j'aimerais bien, moi, les colorer, les hommes. Est-ce qu'ils se livrent, nos députés, à des confidences entre les mains de la coiffeuse ou du coiffeur? Quelquefois, oui. Mais ça reste confidence. Ah, on peut rien savoir. C'est très difficile. Donc vous savez énormément de choses, mais vous ne voulez pas nous les dire. Je suis un mur. La dissolution, c'est pas vous qui l'avez conseillé à monsieur Chirac. Depuis 97, on se demande qui a bien pu conseiller cette connerie à Jacques Chirac. Et maintenant, on se dit, c'est peut-être la coiffeuse de l'Assemblée nationale. Laurent, elle avait dit décoloration. Il a compris dissolution. Voilà. Je voudrais qu'on fasse un petit point sur la situation. Il doit revenir vous voir quand, monsieur Estrosi, là? Quand il veut, demain, s'il veut. Là, il est pas mal coiffé ce soir. Mais je lui ferai un petit massage du cuir chevelu. Je le mettrai en forme. Ah, vous faites des petits massages, en plus. Oui. Toujours pour 75 francs? Pardon? Toujours pour 75 Bien francs? Bien sûr. Oh, c'est top d'être député. En tout cas, après cette soirée chez Laurent Ruquier, ce sera bien nécessaire. Oui. On va vous laisser partir tous les deux, bras dessus. Bras dessous, faites-vous la bise et allez vous faire coiffer. Oui. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup. Allez, autre sujet. La collection masculine
Automne-hiver 2001-2002 de Jean-Paul Gaultier a encore bien fait parler d'elle cette année. Mais peut-on vraiment marcher dans la rue habillé comme certains mannequins vus sur les podiums? Le plus top d'entre nous, c'est vrai qu'on lui a souvent dit « t'es un mannequin, toi », Jean-François Derec, a essayé de voir si c'était possible. Et comme il ne recule devant rien, à quelques jours de la sortie du film « La vérité si je mens 2 », c'est dans le quartier du Sentier qu'il a testé les réactions habillé en Jean-Paul Gaultier. Un commentaire avant de voir le sujet, Jean-François? Je préfère pas, parce que tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. Alors. Un sujet de Camille Robiot. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis Jean-Charles de Montbrial, jeune créateur de mode au style résolument d'avant-garde. Et d'ailleurs, voici ma dernière création. Alors, est-ce que je vais être pris au sérieux dans le Sentier ou vais-je me faire jeter comme un vieux chiffon? C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Alors voilà, bon, je vous explique tout. Donc je suis jeune créateur grenoblois. Alors, attendez, voilà, je mets ça là. Donc, mon idole, c'est Gaultier, vous l'avez remarqué. Mais enfin, moi, ce que je veux, c'est faire descendre Gaultier dans la rue. Ouais. Et donc, à des prix quand même très attrayants. Mmh. Et là, j'ai fait un carton, on a fait un défilé à la maison, à la maison des jeunes du Courbéria, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, j'ai atteint de pas. Ouais. Ça fait un carton d'enfer. Les jeunes, ils sont fous, ils sont comme des fous. Hein. Ouais. Tiens. Ah, franchement. Hein. C'est pas mieux, hein. C'est un prototype, bien évidemment. Bien évidemment, c'est un prototype. Là, je pense que pour des jeunes, pour des soirées, tout ça, ça devrait marcher, oui. Non? À Sentier, une petite changement, ça cartonne. Voilà. Il faut faire des choses différemment. Quand il y a un truc qui est vraiment différent, ça cartonne, hein. Là, ouais. Je vous assure. Et là, chez les jeunes, ça va cartonner, ça, oui, hein, oui, dans, oui. Le, dans les soirées. Certainement. Franchement, c'est... Non oh, c'est chouette, ça, franchement. C'est moi. Moi. Ah, d'accord, ok. Moi, mon avis, ça marche. Je vends des robes, des pulls et des manteaux, des... Bonjour. Je ne sais pas si vous, avez, si vous lisez les journaux. Bon, vous avez remarqué que Jean-Paul Gaultier m'a un peu copié. Bon, enfin, c'est pas grave, je lui pardonne. Mm-hmm. Ça va marcher à Paris, c'est à votre avis. Ça, à oui. Paris? Non. Je sais pas. Tout dépend de ce que vous voulez vous rechercher, vous, là. Bah, vous voyez, on recherche un modèle jeune, un modèle qui se porte partout, mm-hmm. qu'on puisse utiliser en boîte, au travail, même, donc, pourquoi c'est pas. Ça. Ça, c'est une tenue mixte. Ah, c'est une belle matière. C'est ça qui est bien dans cette matière, c'est que pour sortir... ou pour aller au travail, mmh. Oh, vous pensez par exemple un chef de chantier qui aurait ça, bon, mais ça, aucun problème, hein. Vous pensez pas. Enfin, moi, je sors bien, moi. Ah bon? Donc, un conducteur d'engin ou un grutier, en plus, on le voit bien avec ça. Je vends des robes, des sacs, des ceinturons. Bonjour, oui, je suis Jean-Charles de Montbrial, le créateur. Oui. Et donc, là, c'est mes derniers modèles que je vais présenter. Super. En septembre. Magnifique. Alors, donc, je cherche des accessoires pour ma prochaine collection. Je voulais savoir ce que vous aviez à me proposer. Il y a des petits... Des petits comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe partout. Moi, je prendrais plus le gros rond. Ah, le gros rond, oui, je vais essayer. Ah, c'est pas mal, ça. Voilà. Mesdames, merci. Au revoir. Je crois que j'avais pas l'air, moi. Vas-y, t'as le droit. C'est chacun son trip, quoi. Moi, je suis sincère, mon mari se déshabille, il porte ça, moi j'éclate de rire, quoi. Franchement, quand il a ouvert son manteau, je me suis dit... Mais même moi, je vais voir autre chose. Jean-François Derec. Alors, je voudrais quand même préciser que la tenue que porte Jean-François Derec a vraiment été inspirée d'une tenue qu'on a vue dans la presse, tenue présentée lors des collections Jean-Paul Gaultier. Regardez ce mannequin qui porte exactement. On a copié, parce que Gaultier nous a pas prêté la tenue en question, mais on l'a copié, on vous l'a redonné. Oh, apparemment, il vous a pas prêté le mannequin non plus. Non. Oui. C'est vrai. Je peux vous dire. Isabelle. Vous auriez pu lui demander à Jean-Paul Gaultier, je suis sûr qu'il vous aurait prêté les fringues. Le mannequin, on le garde. Hein. Ah ben oui, attendez, qu'il avance, hein. Attendez, il est sympa, il a prêté des kilts à tous les supporters écossais la semaine passée. Hein. Moi, je ne connais pas ces mannequins, mais enfin, je trouve que celui-là il fait beaucoup plus viril que celui qu'on a vu avant. C'est superbe. On va tout de suite accueillir sur le plateau eh bien, deux personnes qui s'y connaissent dans le domaine de la confection et aussi ils connaissent l'ambiance du Sentier puisqu'ils y travaillent. À quelques jours, même à la veille, on peut dire la veille de la sortie du film La vérité si je mens 2, il fallait qu'on parle avec deux personnes qui travaillent dans ce quartier de Paris. Nous allons accueillir Serge et Patrick. L'un est grossiste, l'autre fabricant. On les accueille. Ici, messieurs. Bonsoir.
Serge et Patrick. Oh ben, j'ai envie de vous demander une chose pour commencer, le temps que vous installiez. Est-ce que vous avez vu le film qui sortira demain, La vérité si je mens? Non, deux. Pas encore. Pas encore? Non, on n'a pas encore vu. Non. Vous aviez vu le 1? Oui, bien sûr. Et vous aviez adoré? On a adoré. Super. Adoré. C'est ouais, pareil, le 2. Vous êtes retrouvé dedans? C'est pareil, le 2. C'est pareil. C'est mieux ou moins? C'est pareil. Vous êtes retrouvé dans le film? Oui, on s'est un peu retrouvé dans le film, ouais. Parce qu'il y a une ambiance, il y a une façon de faire, une façon de parler, fort en gueule, comme ça, qui c'est vrai, ouais, c'est des choses qu'on retrouve chez nous dans le sentier. Alors lequel est Patrick, lequel est Serge? Patrick. Patrick. Et le Serge alors. Alors Patrick et Serge, vous avez vu le sujet de Jean-François Derek, il serait venu vous voir dans cette tenue, vous l'auriez accepté? Bah, j'aurais préféré déjà voir beau que Jean-François Derek. Vrai. Ça, c'est très drôle, ça. Alors là, ça, c'était c'est facile. Très drôle. Et vous c'était non, facile. Moi, je dis que dans le sentier, on voit de tout. Il aurait pu. Enfin, il aurait eu du mal à passer quand même. C'est un peu difficile à croire ce qu'il voulait faire passer comme message, mais. Mais il était attrayant, c'est vrai qu'il était pas mal. Hein. Et je pense quand même qu'il s'est adressé aux mauvaises personnes. Ah, ouais. C'est-à-dire? Oui, on essaie quand même d'aller voir, quand on veut quelque chose, d'aller voir le manager de l'entreprise, donc le patron. On a fait ça peut-être il y a 20 ans, de couper le tissu à la main, etc. Bon, maintenant, on voit ça différemment. On sert de papier, on sert de dossier, etc. Est-ce que le sentier a changé depuis 10 ou 15 ans? Certainement. Ouais, le sentier a beaucoup changé. Il y a beaucoup moins d'exubérance aujourd'hui qu'il y avait avant. On gagne moins d'argent. Je ne parlais pas de ça. Vous gagnez moins d'argent tous les deux? Il y a une vingtaine d'années, oui, quand même. Dans le chantier, on gagne toujours moins d'argent que l'année d'avant. Non, mais disons que ça a changé. C'est comme les commerçants à la côte en Belgique, vous avez avec Noclodou, etc. Chaque saison est effectivement moins bonne que la précédente. Et on se demande tellement ça descend, un jour ça va arriver à zéro, et un jour ils vont donner de l'argent. Non, on n'en est pas encore là. Est-ce que le sentier est encore vraiment le nerf de la guerre du tissu? Parce que moi, j'ai l'impression que j'habite dans le 11e, ouais. Et dans le 11e arrondissement, et j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup chez les Chinois. Et... Ah, bah, ils nous prennent une autre. On laisse répondre Serge et Patrick. Alors, le sentier aujourd'hui, c'est vraiment en avant. Tout ce qui se fait, toute la mode se fait dans le sentier. Les gens du monde entier viennent nous voir au sentier. Que ce c'est soit pas vrai. Ah oui, Bah, le secret de la réussite du sentier, c'est qu'ils font en 8 heures ce que partout ailleurs on fait en 8 jours ou en 8 semaines. C'est ça. Donc c'est pour mois. Ça, c'est un dynamisme extraordinaire. C'est la rapidité de. Bah, bien sûr. Un délai de réaction très très rapide. Bah, oui. Essaye de coller tout de suite à la mode. Et... C'est-à-dire qu'il y a une mode qui sort, dans la semaine qui suit, vous êtes capable de fabriquer les morceaux oui, de tissu. Tout à fait capable et pas seulement nous, je veux dire tout le monde. Hein. Le sentier, ça colle tout. Ça sert à ça. Attends. Oui. Dans la vérité, si je mens, on voit déjà que c'est des Chinois. Et maintenant, tu as un sentier chinois. Tout à fait. Alors, si vous les faites en 8 heures, ils les font en 2h30. Tout à fait. Donc, on ne vend pas le même produit. C'est pas la même chose. Hein. Non, les Asiatiques, nos amis Asiatiques, font un chose. Produit, si vous voulez, de tous les jours. Du bas de gamme. Le bas de gamme. Ah oui, parce que si vous dormez carrément sur vos machines à coudre, les Chinois, c'est plus fort. Eux, ils ont des aiguilles greffées à la place des doigts. Ils sont très forts, effectivement. Mais ceci dit, c'est vrai qu'ils réagissent très vite et qu'ils sont très, très rapides. Ils ne dorment pas nuit et jour. Ça, c'est on va quand même rappeler quelques chiffres. Il y a 4500 entreprises de confection dans le sentier. 4500 entreprises de confection dans le sentier. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Paris et pour qui le sentier, c'est un peu abstrait, c'est entre quelle rue et quelle rue, quel quartier, comment on peut situer le sentier? Le sentier, c'est un petit triangle. Il y a la rue d'Aboukir, la rue Saint-Denis, il y a la rue du Caire, et puis il y a quelques petites rues adjacentes, boulevard Sébastopol. C'est 4-5 rues. La surface, c'est quoi alors? La surface, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est un kilomètre carré à tout casser? Ouais, il y a, je ne sais pas, c'est... Non, c'est 2-3 kilomètres carrés. Allez, tu me le fais à 500 mètres? C'est un 6 doigts. Vous, alors, par exemple, vous faites quoi? On va vous prendre l'un après l'autre. Et ça, là, c'est quoi? Ça, c'est rien. Il porte du Ralph Lauren. Il porte du Ralph Lauren. Ah, d'accord. C'est pas d'affaire. Non. C'est un hasard. Hein, c'est quelqu'un de qui on s'inspire, tout simplement. Non, mais c'est du vrai. C'est New-Yorkais. Ouais, enfin, je sais pas, c'est ma femme qui m'a offert. Je pense qu'elle m'a pas trahi. La saison était tellement mauvaise qu'il peut plus mettre que ça. Alors, vous faites quoi, vous? Bah, alors, nous, on fabrique. On fabrique pour diverses sociétés, diverses compagnies. Mais c'est différent de ce que Patrick fait. On fabrique et on exporte toute la marchandise. Nous ne vendons pratiquement rien en France. Et vous? Moi, par contre, non, je m'attaque à un marché français dans, on va dire, le haut moyen de gamme.
C'est-à-dire, je cherche plutôt les boutiques, parce que j'ai un produit assez, un peu luxueux, on va dire. C'est quoi votre produit ? Moi, c'est la maille. La maille. La maille. Vous êtes spécialisé dans la maille. Pourquoi vous riez ? Parce que lui, il dit, je fais du haut moyenne gamme, elle ne peut pas confondre avec le moyen haut de gamme. Et lui, il dit, alors, et moi, je fais de la merde. Mais oui, on est venu en Je suis surpris parce que vous nous parlez. Alors, je vais vous dire, je suis même un peu déçu parce que vous nous parlez là calmement, comme très ça. Business. Et je retrouve pas l'ambiance du sentier, l'ambiance de la vérité si je mens. Non, mais non, elle existe. Elle existe. Vous n'êtes pas comme ça, vous alors. Ah si, mais je suis comme ça. Bon. Non, je suis un peu. C'est un plateau de télé. C'est la première fois qu'on vient. On a des stars. On a Maureen. Est-ce que je peux dire, vous êtes un. On a des stars et Maureen. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors, vous déformez. Est-ce que l'humour de la vérité si je mens, c'est le vôtre. Est-ce que vous vous reconnaissez ? Est-ce que vous parlez comme peu, ça ? Un petit peu, oui. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai, on parle comme ça. C'est très caricaturé, mais bon, c'est comme toutes les belles histoires, ça fait rire. Non, si on n'exagère pas aussi, quand même. Ah non. Montrez-moi votre montre, là, que je vois un peu. Non. Montrez-moi ce que vous avez autour du cou. Voilà. J'aimerais que vous arrêtiez de faire ça sur la table, ça raye avec la gourmette. C'est quoi les dernières blagues qui circulent dans le sentier, par exemple ? Des blagues, je sais pas. Moi, on m'a dit, prends Serge et Patrick sur le plateau, c'est des déconneurs de première. Là, il y a tout le sentier demain qui va se foutre de votre gueule en disant... Non. Ils n'oseraient pas, quand même. Ils n'oseraient pas. Pourquoi ils n'oseraient pas ? Parce qu'on est deux patrons dans le sentier. Est-ce que vous voyez ? Ah, ça y est, Olivia ! Comment ça, vous êtes des patrons ? Non, t'es pas vraiment. Laissez-les parler, laissez-les parler. On est des patrons. Qui va venir nous dire quelque chose ? Qui ? Ah, ça commence, c'est pas possible. Non, ça tient pas la route. Non, et puis à cette heure-ci, Laurent, dans le sentier, il regarde pas la télé. Ouais. Il bosse. On leur donne la punition s'ils nous disent quelque chose. Je voulais dire aussi, c'est aussi la Méditerranée à Paris. C'est les thunes qui arrêtent les voitures dans les rues pour se raconter leur dernière histoire. Il y a 15 bagnoles derrière qui klaxonnent et tout. Ouais. Et pour finir, je vous pose une devinette, mais vous savez sûrement la réponse. Je sais pas. Quelle est la différence entre un tailleur juif et un psychanalyste juif ? Il connaît la réponse. Moi, je sais pas. Une génération. Juste, Claude. Oui, je voulais juste te dire que tu as tellement raison, Isabelle, parce que de mon temps, le sentier, c'était pas ça du tout. C'était vraiment, je l'ai vu, c'était des tailleurs juifs ashkénazes qui arrivaient donc de l'Europe de l'Est, qui étaient assis en tailleur sur la table et qui cousaient absolument comme dans le violon sur le toit. Tout à fait. Et c'est l'arrivée des Sèvres, des Séfarades qui a changé, bouleversé complètement toute l'atmosphère. Bravo. Parce que le problème justement des Séfarades, c'est que maintenant leurs enfants sont tous dans des hautes études, parce qu'ils ont un petit pas quand même avant sur nous, c'est qu'ils sont arrivés un petit peu avant en France. Et depuis des années 50, si vous voulez, ils ont travaillé très très dur pour que leurs enfants arrivent peut-être à voir autre chose aujourd'hui. Et maintenant, ils sont tous dans les autres. Oui, non, mais attends, non, je suis pas d'accord. Parce que même les juifs d'Europe de l'Est, les Ashkénazes qui sont venus, c'est vrai qu'ils ont travaillé très dur pour que leurs enfants fassent des études. Et bien, à la fin de leurs études, on leur demandait de choisir entre prêt-à-porter homme ou femme. Jean-François Derek, votre visite dans le sentier, c'est un endroit où vous allez de temps en temps ? Ah ben, j'y vais de temps en temps, j'ai des copains là-bas, mais ils sont hyper durs en affaires. Hein. C'est-à-dire ? Bah, quand ça discute. Par exemple, j'avais un mec qui négociait des histoires des jeans, tout ça. Alors, il allait négocier 200 balles, l'autre, il dit non, mais à crédit, alors si c'est à crédit, je t'ai fait 230, 240, machin. Finalement, il les a eus à 150. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu les négocies à 150 puisque, de toute façon, t'as pas l'intention de les payer ? Il me dit, oui, mais c'est des amis, je veux leur faire perdre le moins d'argent possible. Il y a aussi la fameuse histoire, est-ce qu'elle est vraie ? La fameuse histoire, mais est-ce qu'elle est vraie des deux commerçants du sentier qui font leur solde ? Alors, il y en a un qui affiche moins 50%, alors l'autre, pour essayer d'attirer la clientèle, fait moins 70%, et puis il y a un petit magasin au milieu qui fait entrée principale. Il y a beaucoup comme ça de débrouillardise, il y a beaucoup de systèmes oui, défonctionnent bien dans le sentier. Oui, quand même. Oui, tout à fait. On est toujours à la recherche du petit truc, on se renseigne par-ci, à droite, à gauche, on essaie d'être... sur nos armes, on est là, on est dans la rue, on est à l'affût de la moindre info pour travailler. Alors justement, donnez-nous un scoop, quel est le truc à votre avis là qui dans les semaines ou dans les mois qui viennent va marcher, un truc de mode je vais vous le dire. Le truc qui va marcher, je vais vous le dire. Si je vous le dis aujourd'hui, monsieur Ruquier, qu'est-ce qui va se passer ? C'est moi qui vais être à la rue et les autres qui vont s'enrichir. Je vous assure. Vous êtes des bosseurs.
Je pense, oui. On est des bosseurs. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est ce qu'on voit dans la vérité, si je m'en numéro un, ce que j'ai vu, et ce qui se passe dans le sentier, les grandes gueules, les façons de parler, pourquoi mon frère et tout, c'est pas propre au sentier. Je crois que tous les gens d'Afrique du Nord, enfin, les gars d'Afrique du Nord comme nous, les Méditerranéens, ils parlent de la même façon, ils agissent de la même façon autre part. Faut pas seulement être dans le sentier. Les mecs, s'ils sont dans un hôpital, c'est pareil. S'ils sont, je sais pas, n'importe où, on parle de la même manière. Ils seront plus dilués, alors il y en aura juste un. Oui, ils seront plus dilués, c'est-à-dire qu'ils se feront plus remarquer. Putain, t'as vu le pancréas du type, là. Il est dégueulasse. Allez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Serge et Patrick. La vérité, si je mens, deux, c'est demain sur les écrans. Bravo à Jean-François Derek. Allez, autre sujet. Vous l'avez peut-être lu hier, c'était dans Le Parisien, la quête du dimanche en euros, c'est possible bientôt, les curés sont prêts, titrait Le Parisien. Ce titre, pourquoi? Parce qu'il y avait le week-end dernier, porte de Versailles, à Paris Expo très exactement, le salon Religio. C'est la cinquième fois que ce salon avait lieu. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce salon? Eh bien, des objets qui vont moderniser l'église, des nouveaux, j'allais dire gadgets, c'est pas le mot évidemment, des nouveaux objets du culte qui vont servir les curés, qui vont utiliser, qui vont permettre aux curés d'être plus moderne. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Maureen. Le salon est que pour l'église catholique ou bien aussi pour musulmane? Exactement, c'est un salon chrétien, ma chère Maureen. Et c'est catholique. Évidemment un salon professionnel. Ce n'est pas ouvert au public, mais on va avoir un peu plus d'explications. Professionnel? Comment ça? Non, c'est drôle de dire c'est un salon pour professionnel. Ben oui, on dit ça quand le salon n'est pas ouvert au public. Non, mais c'est que catholique. Pardon? Catholique. Chrétien, catholique. Oui. Et quoi? C'est genre avec des hosties? Catholique ou chrétien? Hosties au paprika, à la moutarde et des trucs comme Écoutez, ça. Écoutez, ne posez pas trop de questions, c'est pas moi qui vais vous répondre. J'ai sur le plateau un invité, le père Bernard Lucchesi. Je sais pas comment vous appelez. Vous êtes un jeune curé, est-ce qu'on vous appelle Bernard? Oui, on peut m'appeler Bernard, ou monsieur l'abbé, ou mon père, ou... Mais je ne suis pas curé, je suis vicaire. Hein. Vicaire, alors monsieur le vicaire. Ah, et au monde, très bien. Voilà, monsieur le vicaire, oui. Mon père, oui. Nanar, tout ce que vous voulez. le salon Religio, j'ai dit que ce n'était pas ouvert au public et je me suis trompé? C'est ouvert pas n'importe quel public, effectivement. C'est ouvert, donc, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est la première fois que je venais. Donc, c'est ouvert au milieu professionnel, c'est-à-dire ceux qui vendent tout ce qui concerne de près ou de loin les choses qui concernent la vie religieuse, chrétienne, et pas uniquement catholique, comme j'ai entendu dans la présentation. Chrétienne, donc. Oui. Donc, alors, chrétienne, ça veut dire quoi? Catholique plus quoi? Protestant et orthodoxe. Protestant. Et orthodoxe. C'est le premier salon international professionnel chrétien au monde. Voilà, voilà. Moi j'ai exactement la présentation du salon. Le mondial du temporel chrétien. C'est voilà. Ça, on est encore champion du monde au niveau de la chrétienté, voilà. Finalement, hein, il faut bien dire. Oui, c'est... chrétienté, ça c'est. On va pas faire un cours d'histoire, hein, mais on ne parle plus de chrétienté. Ah bon? On dit plus ça? Qu'est-ce qu'on et a non, dit? Non, oui, parce que séparation de l'Église et de l'État oblige, on parle de christianisme. Mais pas de chrétienté. Chrétienté, c'est-à-dire, ça voudrait dire que la religion d'accord. catholique ou protestante ou orthodoxe serait la religion dominante au niveau politique du terme. Alors, il y a eu de nombreux visiteurs cette année? Il faut demander aux organisateurs. Ça a marché. Vous étiez juste exposant, alors? Ah non, je suis d'abord marseillais, déjà. Oui. Champion du monde. J'ai quitté ma Marseille natale pour venir juste à Paris. Tout à fait, la bonne mère. Et donc, j'ai visité ce salon. Vous êtes vicaire à la paroisse d'Aubagne. C'est ça, et aumônier des collèges et lycées et de l'enseignement public. Alors, vous nous avez amené quelques objets que vous avez trouvés pendant ce week-end et ce salon religieux. Est-ce qu'on peut en voir quelques-uns? Trouver, c'est un bien grand mot. Hein. Et, allez-y. Ah, ma foi. Donc, ce que j'ai aperçu, parce que ce n'est pas moi qui les ai trouvés. Qu'est-ce alors, que c'est que ça? Alors ça, c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est la nouvelle, le nouveau siège du pèlerin. Vous savez, je crois que vous êtes déjà allé à Lourdes ou dans les grands sanctuaires mondiaux oui, où tous il n'y a pas beaucoup week-ends. De place pour s'asseoir. Et donc les pépés et les mémés portent avec eux justement un petit pliant. Ouais. Hein mais qu'avait des structures métalliques, un morceau de tissu. Et donc quand ils étaient fatigués, en plein milieu d'un terrain, ils ouvraient ça. Donc regardez. En carton. En carton. Voilà. Et on s'assoit.
Et là, crap, voilà. Impeccable. Et, bien, et vous pouvez venir vous asseoir sur moi, vous allez voir. Ah, tout ça pour enfin, ça. Monsieur le vicaire. Voilà mon vieux. Ah, je ne vous ai pas donné d'avou. Non, mais enfin, quand même. Ah non, moi, ma maman, elle m'a toujours dit, si le vicaire te demande d'aller t'asseoir sur ses genoux, tu dis non. Ça, c'est pour les petits-enfants, pas pour les adultes. Ah, non, ah, nous, oui, les petits-enfants, quand on parce que les adultes ont le droit de s'asseoir sur les genoux des vicaires. Non, en principe, non. En principe, non. Vous êtes un curé moderne, enfin un abbé moderne, j'ai l'impression. Ma foi, je suis de mon temps. Hein. Bon, parfait. Alors ensuite... Vous êtes de Marseille, vous l'avez dit. Aussi, surtout. Ça, c'est quoi, ça? Alors ça, c'est la mallette. Enfin, on est passé un peu vite sur le truc en carton, parce que oui, quand il pleut, ça mouille et ça ramollit. Tout à fait. Alors le principe... Oui, mais les vieux aussi. Oui, mais le principe... C'est pas une bonne réponse. C'est pas une bonne réponse. Ça se voit que vous n'allez pas souvent à Lourdes, parce que Lourdes, c'est un lieu où il pleut beaucoup. Ça, vous avez raison. Et ça vous ferait du bien. Ça vous ferait du bien d'aller à Lourdes. Ah, il est gratiné, notre curé. Parce que figurez-vous que non seulement les pépés et les mémés, non seulement les pépés et mémés portent donc leur petit machin pour s'asseoir. Ah, moi, je retourne à la messe demain. Ils portent aussi leur grand pancho en plastique, le cas où il pleut, et ça recouvre la totalité. Ça, c'est à Disneyland, ça. Non. Ça se voit que vous ne sortez pas souvent. Attends. Mais attendez, je ne me moque pas de vous, parce que moi, ce n'est peut-être pas le cas de tous les gens qui sont ici sur ce plateau, mais moi, je suis catholique, communié, baptisé, et donc je suis très intéressé par tout ça, même si je vais de moins en moins à la messe, il y a très longtemps que je ne suis pas allé, je suis très intéressé de par... De moins en moins. Alors, ouvrez votre valise. Alors, donc, cette mallette, c'est la mallette de... Eh bien, c'est la... C'est un peu la... C'est pas la valise RTL, hein, non, c'est pas la valise RTL, mais c'est la valise donc pour que le prêtre puisse en campagne ou en camp avec les jeunes ou célébrer la messe. Et c'est formidable, il y a tout. Il y a les cierges. Expliquez-nous ce que c'est. Alors donc, mais avant de t'expliquer ce qu'il y a, déjà, moi, je n'aurais pas pris du tout cette mallette-là. C'est pas du tout mon goût et mon genre. Pourquoi? C'est pas commode. C'est pas commode. Non. Mais non, elle est parce que je suis au milieu de jeunes et quand je suis au sommet d'une montagne, c'est vrai que je sorte tout ça comme ça. Vous auriez l'air con. Alors donc du coup. Ça c'est pour boire le vin. Non, c'est pour... Ça intéresse Claude. C'est pour boire le vin, c'est ce qu'on appelle un calice. Donc un calice, on boit pas du vin dans du calice. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec le calice? Et on communie à l'Eucharistie. Alors ensuite, on trouve le crucifix. Voilà. Et ça, c'est quoi, ça? Voilà, ça, c'est un ciboire. Ciboire. Voilà. Ça, c'est pas un sucrier, ça? Mais alors, c'est vrai que c'est pas forcément pratique, mais le plus dur, il paraît, dans la valise, c'est le confessionnal. Ils doivent se mettre tous les deux dans la valise et la refermer. Alors ça, si ça, c'est un sucrier, alors votre femme, je me demande ce qu'elle fait avec un sucrier comme ça. Hein. Et si, pour confesser, il faut refermer la valise, quand vous allez voir votre psychologue, vous ouvrez votre... On se met dans une valise. On n'a pas de psychologue, on n'a que Gérard Miller. Est-ce que vous avez les vêtements qui servent de voiture, là. Les habits, ça sert d'auto. Vraiment, ça, c'est vieux comme le monde, Derek. Donc ça, cette valise, vous dites qu'elle n'est pas si pratique que non, ça. Non, elle n'est pas pratique du tout, parce que quand je... Donc, moi, je m'en sers exclusivement que lorsque je fais des camps avec les jeunes. C'est-à-dire, lorsqu'on part, on fait un camp vélo, ou lorsqu'on fait... Vous mettez ça dans une glacière? Non, pas du ça, tout. Ça, par exemple, c'est pour mettre les huiles. Ce que j'ai fait, pas du tout. Je ne touche, c'est pas grave. Non, pas du tout. Je crois, c'est pas sacré. C'est pas sacré. Vous voyez, là, vous voyez, dessus... Il n'y a rien dedans. Du raisin. Donc, c'est pour mettre le... Le vin. Et là, vous voyez le... De l'eau? Faut changer vos lunettes. Hein. C'est quoi? Donc, et c'est de l'eau. Donc on met l'eau et le vin. Alors, donc, ce que j'ai fait moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi avec ma mallette. Ah, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas une mallette comme ça, elle est plus simple la mienne. Donc, ce que j'ai fait, j'ai levé la mousse, qui est inutile, et dedans, parce que ce qui manque là-dedans, il suffit pas d'avoir tous ces ustensiles-là pour pouvoir célébrer la messe. Il faut avoir aussi donc les hosties, il faut avoir le vin et la foi. Bon. Très bien, et surtout la très bien. La foi. Ah oui. Vous aurez une image à la fin de l'émission. Merci. J'ai pas fini. Un peu cochonne. Laurent, monsieur le vicaire avec sa valise, on l'appelle le James Bond de la foire. Tout à fait. Alors, j'ai pas fini. Non. Donc, ce qui manque là-dedans, c'est donc non seulement les hosties. On s'en lasse pas, de toute façon. Le vin. Et il faut aussi le missel, vous savez, c'est le livre qui permet de célébrer la messe. Le lectionnaire, c'est la roue de la lecture.
Et ensuite, il faut l'aube et l'étole. Vous savez, c'est le... Le petit chapeau. C'est ce qui sert d'auto. Non, c'est chez les Juifs. La calotte. Non. Non, 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 c'est fini. Vous avez des calottes. C'est fini, c'est fini. Ils sont décalotés, on est au 21e siècle. Ah bon, de mon temps. Excuse-moi. De mon temps. Allez donc, il a la dent dure, hein. Ah, il a bien curé. Attends mon petit père. Oui. Père Bernard. Moi, quand j'étais jeune, les curés avaient le petit chapeau, la calotte, comme les Juifs. Eh oui, mais c'est fini. Il y a depuis quand c'est fini ça. Depuis quand c'est fini, répondre à la question. Petite grand. Mère. Hein? Grand quoi? Pardon. Oh, vous allez être maman? Oui. Oh, félicitations. Donc, oui, donc c'est fini depuis quand? Elle a rencontré il y a un pigeon il y a quelques mois. C'est fini donc depuis les années 60. Avant les... Il n'y a plus de calotte. Bon. Alors on referme la valise, il y a d'autres objets. Moi je voudrais qu'on aille voir la trieuse qui est là-bas. C'est possible ça? Moi je peux vous faire une démonstration si vous voulez, je l'ai eu moi. Parce que ça c'est une trieuse qui coûte cher, paraît-il, qui est une trieuse électronique, mais qui permet en un week-end de Laurent. Compter. Oui. J'avais compris, une treilleuse. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça à la messe? Une trieuse. Une trieuse. Moi, j'avais compris une trieuse électronique. Non, une trieuse pour trier les pièces. Vous faites bien une quête. Combien on reçoit à chaque messe? C'est à géométrie variable. C'est-à-dire, ça va de quoi à quoi? Oh, ben ça dépend. Il y a de... Ça dépend des paroisses. Ça dépend aussi quand on dit pourquoi il faut donner. Alors ça dépend. Oui, ça dépend pour si, par exemple, lorsque je fais faire des ventes de gâteaux par mes jeunes de l'aumônerie pour financer les camps et les pèlerinages que l'on fait, c'est vrai que donc là, ça rapporte un peu plus. Ouais. Non. Quand, selon la prédication que je fais le dimanche, si je fais une prédication... Si vous êtes bon, vous devez être bon, vous. Voilà. Il doit se faire un blé. Donc, et quand vous mettez du shit dans l'encensoir, est-ce que ça attire pas du monde? Non. Bon alors, la trieuse permet de compter les pièces plus vite, évidemment, parce que ça doit être long à compter les pièces. Non, mais ça vaut le coup, la trieuse. Non, excusez-moi, là. C'est pas très long à compter les pièces, parce que ce qu'il faut trouver, c'est des gens qui donnent, quand même. Évidemment. Très bien. Du coup, vous déplacez le problème. Et comment vous appelez-vous? Isabelle Alonso. Ça n'a aucune utilité pour la messe, parce que j'y vais Isabelle, jamais. Donc Isabelle a montré la question intéressante, c'est-à-dire que... C'est Sœur Alonso de Sainte-Notre-Dame-de-la-Garde. C'est que justement, cette machine est intéressante dans la mesure où il y a un apport et une entrée de pièces considérables. Dans la mesure où on ne donne que des billets. On n'a pas besoin de la machine à compter. Allez-y quand même, Franck Dubos. Vous allez peut-être aller avec Franck tester la trieuse. Alors, voilà. Tu sais ce que ça trie, Laurent? Les pièces, les boutons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des boutons. J'imagine. Alors regardez. Ça, c'est regardez nouveau, bien. Hein. Ça coûte entre 23 et 31 000 francs, voilà. C'est un peu cher. Cette petite trieuse. Donc, on met l'argent ici. Donc, on a récolté, on met l'argent là. Là, on a la trieuse, on appuie sur le petit bouton. Ça part, ça trie. Et ici, vont apparaître... Les fausses pièces. Voilà. C'est celle qui a mis des règles, ça. Là, ça trie. Quand on veut arrêter, hop, on arrête. Ça fait du bien. Et alors, ce qu'il faut dire, Laurent, c'est ce qu'on m'a dit. C'est, tu vas finir animatrice du loto, toi. Après, regardez, on trie les pièces de 10 francs, les pièces de 10 centimes. Tiens, j'ai gardé les 10 francs. Les pièces de 50 centimes et le reste. Et voilà. Il faut savoir... que cet instrument sert non seulement dans les églises, mais aussi dans les sex shops, on me l'a dit, et aussi dans les casinos et tout ça, pour trier. Voilà, maintenant nous allons parler Ce serait pratique pour vous, bravo pour la démonstration, Franck. Ce serait pas pratique dans votre petite église? Non, ce serait pas pratique, parce que... Pourquoi? Ben parce que d'abord, si la caméra peut s'approcher dans les pièces fausses, il y a une pièce d'un franc, par exemple, ouais. J'ai vu, il y a une pièce de 20 centimes. Ouais. Excusez-moi, monsieur. Non, c'est une fausse pièce de 1 franc. Ce sont des fausses. Vous aviez d'autres choses à nous montrer ou c'était tout pour aujourd'hui? Mais non, c'est suffisant. Écoutez, en tout cas, je trouve que vous avez été bien sympathique. Ouais. Vous montrez l'image d'une église jeune et moderne et souriante. Et c'est toujours agréable. Et c'est ce qui, je pense, peut attirer les gens dans les églises et peut-être à la messe d'Aubagne, car j'imagine que c'est là-bas que vous exercez chaque dimanche matin. Tout à fait, oui. Bon, et la prochaine messe, donc dimanche, c'est quelle heure? 9h30 et 11h. 9h30, un peu de 11h. Je sens que l'église va être pleine dimanche. Il a l'air d'un ange, d'ailleurs. Il est beau, il a un sourire lumineux. Attention, hein. Blaise Pascal disait qui fait l'ange fait la bête. Ah. Oh. Allez, on applaudit, on remercie le père Lucchesi.
écoutez. On change de sujet. Faut que j'arrête de dire on change de sujet quand on change de sujet. Oh, allez, on change de sujet. Les rugbymen français, c'est du sport, ont remporté dimanche dernier leur premier match du tournoi des Six Nations contre l'Écosse au Stade de France. Et c'est à Isabelle Alonso, ici présente, que nous avons demandé de tester l'ambiance au sein des supporters écossais. Alors, comme les Écossais ont perdu, Isabelle, est-ce que c'est vous qui avez consolé les hommes en kilt ? Je suis partie avant qu'ils aient fini de vouloir être consolés. C'est-à-dire ? Non, ils sont plutôt sportifs, mais je suis partie au début de la troisième mi-temps. Je me suis dit que si je restais plus longtemps, ça risquait de devenir grave. Vous avez passé un bon moment ? La troisième mi-temps, en fait, elle commence avant le match. Hein. C'est ça qu'on ne sait pas quand on... Bon, bah, écoutez, on va en savoir plus tout de suite, car on regarde le sujet, réalisé par Jean-Pierre Petit. Aujourd'hui, c'est dimanche et figurez-vous qu'il y a rugby au Stade de France. Vous allez croire que je suis devenue chroniqueuse sportive. Pas du tout, le rugby ne me range pas plus que ça. Mais le mystère des Écossais, ça m'intéresse. Je suis venue tester les supporters écossais. Vive la France! We are not allowed to bring the sheep with us. Alors, écoutez bien, je viens de lui demander que comment ça se fait que tous ces mecs en jupe ne sont accompagnés d'aucune femme. Et il dit que c'est parce qu'ils n'ont pas le droit d'apporter les brebis avec eux, the sheep. The sheep, you know. Il dit que c'est trop compliqué d'amener des femmes parce qu'il faut qu'elles fassent leurs cheveux, il faut qu'elles se lavent. So you don't wash your hair, you don't wash yourself, you're dirty. No. Like we're men should be. Je ne porte rien. Il a rien sous son kilt. Oui. Alors il porte rien parce que les slips c'est beaucoup trop cher. C'est chiant. Ce que je veux savoir, c'est la différence entre les supporters de foot et les supporters de rugby. C'est bruyant aussi. Hein. Alors, supporters la de différence, rugby. C'est ça. Allez, les bleus écossais, les bleus français, c'est le même chose, les bleus clairs, c'est pareil. Je n'ai pas en différence. C'est la même amitié. Vive le rugby. Dites-moi, Michel, c'est pas de l'eau minérale, ça? Ça picole bien, hein? Non, non, très bien. Alors, si la France gagne, vous êtes content? Tout à fait, on fait la fête. Et donc, vous arrosez ça. Et voilà. Si l'Écosse gagne, vous êtes triste, et donc... On fait la fête. D'accord, ouais, je vois le genre. J'ai trouvé un vrai Écossais avec une vraie tronche d'Écossais. What do you think about French supporters? Very good. We're all here together and we're all enjoying ourselves. Ah ben, il trouve que tout le monde est content et qu'il est content d'être là. Enfin voilà, c'est un vrai de vrai. Not when they get together. When they get together, they're very noisy. Alors, j'ai demandé ce qu'ils pensaient des supporters français. Ils les trouvent super. J'ai dit qu'ils étaient quand même moins bruyants que les Écossais. Il dit que l'essentiel, c'est de faire beaucoup de bruit ensemble. C'est méchamment technique, hein. Je comprends rien. Seven, seven. Pas bon. It's terrible. Oh, terrible. Yes. C'est bon. Yes. C'est très bon. Yes. C'est excellent. Ça fait 16 à 6 pour la France. 16-6. Alors l'Écosse a perdu et je vais vous dire un truc, quand ils perdent, ils boivent, quand ils gagnent, ils boivent et finalement ils ont la défaite plutôt digne. Isabelle, vous avez eu l'air de vous amuser. J'ai l'impression que vous y retournerez. J'ai passé la journée avec eux. C'est-à-dire ? Avant le match, pendant le match, après le match. Et alors ? Alors ça boit, hein ? Ça boit. Non, ils sont très sympas, très mignons. Alors moi, ce qui m'intéressait dans tout ça, c'était le mystère de l'Écossais. Du kilt. Le rugby, le mystère du kilt. Qu'est-ce qu'ils ont sous leur kilt ? Et alors, je me disais que ça allait être dur de leur faire avouer. C'est dur de leur faire pas avouer. Ils n'arrêtent pas de vous le montrer, ce qu'ils ont sous leur kilt. Et ils ne portent pas de sous-vêtements. Du tout. Ah bon? Alors on a eu droit, là c'était très pudique hein, le sujet. Ouais. En plus après on est arrivé au Stade de France. Vous et si vous avez vu beaucoup des... Ah on en a vu, de la roubignole écossaise. Et c'est pas à carreaux particulièrement, c'est comme les autres pareil. Nous les filles quand on porte des jupes, on est super habitués depuis qu'on est toute petite à croiser les jambes, à serrer les genoux, à être un petit peu comme ça pudique. Mais les mecs pas du tout, ils arrivent au Stade de France et ils s'assoient, ils écartent les genoux et voilà. Et alors...
les tribunes du Stade de France, elles sont vraiment comme ça, si vous voulez. Et l'équipe des caméramans et preneurs de son était tout derrière moi. Et à chaque fois, je me retournais pour regarder. Et alors, le mystère écossais, je peux vous dire. Pas mystérieux du tout, hein. T'imagines ça, alors. T'imagines Basic Instinct avec la scène là où Charanson elle croise les jambes, voilà, avec un écossais, voilà. Hop, à chaque fois tu vois les roubignoles. Voilà. Donc le rugby c'est un ballon ovale et deux boules, tout ce qu'il y a de normal. Maureen, quel est le pourcentage des écossais qui portaient le kilt par exemple? Ah, parce qu'en plus tu voulais que je fasse des calculs. Non, on a bu avant, on a bu pendant, prends... on a bu après. Non, tu prends le nombre de couilles et tu divises par deux. Il y a quelques traîtres à la cause qui mettent des pantalons. Non, il y a quelques traîtres qui mettent des jupes. Il y a des femmes qui mettent des pantalons. Non, ils mettent des pantalons à carreaux. Mais autrement, il y avait beaucoup de kilt. Hein. On voit bien que vous n'êtes pas une professionnelle du rugby. Non, dimanche, vous n'avez pas eu la reconnaissance de vos pères. Pour évoquer avec nous l'ambiance de ce match et l'ambiance aussi des premières, deuxième et troisième mi-temps, je vous demande d'accueillir quelqu'un qui a été sélectionné 42 fois en équipe de France et qui était évidemment dans les gradins lui aussi du stade dimanche, peut-être pas dans les mêmes gradins que vous, Isabelle Alonso. Je vous demande d'accueillir l'ancien rugbyman Jean Cachassin. Accompagné de deux Écossais. Association Blius, c'est bien ça. Et ils sont en tenue, alors pour l'un écossaise et l'autre en tenue bretonne. Le breton, il est ici, l'écossais, il est là. Et c'était Flower of Scotland, l'hymne écossais qu'on vient d'entendre. C'est bien cela ? C'est bien ça. Bravo à vous, merci. C'était comme ça pendant le match ? Ah ouais, c'est très sympa, mais au bout d'un moment, c'est vrai que ça occupe bien l'espace. Hein. Ah ben, Maureen a failli accoucher, on a vu, c'était... Alors, il a un kilt comme les écossais que vous avez vu au match, ouais ? Pareil. Avec les chaussettes, l'espèce de bourse devant, je sais pas pourquoi c'est fait. Devant et en dessous. Pantalon. Et bien, il y a un tartan, d'ailleurs. Eh bien, sachez-le, votre corps l'amuse. Jean Cachassin, je n'écorche pas votre nom, j'ai un doute. C'est bien Jean Cachassin. Absolument, bon, avec un G. Avec Cachassin. 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 Vous habitez au 21 ben, je crois pas. Oh, vous connaissez pas le film Le Cachassin habite au 21? J'ai eu un trou, hein. Oh, ça va, Gueluc, hein. Tout à l'heure, avec les tests du ring, c'était pas mieux, hein. Ah oui, mais il n'était pas de moi. Moi non plus. Bruno Mazur, faut arrêter de nous écrire des mauvais... Reste dans les poèmes, Bruno. C'est à chier aussi, mais c'est toi qui l'ai fait. Jean Cachassin. Bah, tout simplement. Voilà. Et quand est-ce que vous jouiez au rugby? Parce que nous, on n'a pas connu ce peuple-là. J'étais trop jeune, c'est vrai, c'est les années 60, 70, 75, oui. 60 à 75. Oui, oui. Bon. 42, 43 sélections. Oui, tout à fait. Oui. Quel poste vous jouiez? J'ai eu la chance de jouer à tous les postes de l'équipe de France. J'ai joué arrière, j'ai joué trois carrés, j'ai joué centre et j'ai terminé demi-ouverture. Vous n'avez jamais fait goal? En minime. Et alors, vous avez joué contre l'Écosse assez souvent, j'imagine? Tout à fait, oui. Ça a été mon premier match, j'avais 19 ans, ça a été mon premier match international contre les Écossais. Alors, ils sont fair-play, les Écossais? Ils sont formidables. Ils sont un petit peu comme nous, comme les Latins. Ils viennent ici, ils gagnent, tant mieux. Mais même perdant, ils passent...
On a des moments merveilleux avec eux, ils sont d'une simplicité extraordinaire. Maureen ? Pourquoi est-ce qu'on dit toujours que le rugby, c'est le sport des seniors ? Enfin, moi, j'ai toujours entendu que c'était un sport très, très noble, comme ça. Tout à fait. C'est plus que le foot, par exemple. C'est un sport-là, parce qu'il y a un respect, parce qu'il y a un contact, il y a beaucoup de contacts, il y a un respect des adversaires et des partenaires. Donc parce qu'il y a du contact ? Non. C'est un peu sexuel quand même, non ? Bien sûr, en troisième mi-temps. Est-ce que vous croyez que ça va encore durer longtemps, cette ambiance-là, avec le fait que le professionnalisme, qui est de plus en plus de matchs, il y a de plus en plus de blessures, les mecs sont de plus en plus blessés ? C'est le gros problème, nous étions des amateurs, et actuellement, je pense que l'argent va pourrir tout cela. C'est vrai que c'est un sport sain, qu'il est encore, mais j'ai bien peur que dans les années à venir, il se transforme en... Les blessures, ça va être terrifiant. C'est sûr, il y aura des éliminations et c'est la raison pour laquelle maintenant les arbitres sont très stricts, le simple petit coup. Parce que je vais vous dire, maintenant les matchs sont faciles, il n'y a pas de coups, il n'y a plus de coups défendus comme il y avait il y a une vingtaine d'années. Vous dites que les Irlandais sont encore plus sympas que les Écossais. Tout à fait, c'est vrai. C'est ceux qui se rapprochent. Les Écossais sont hyper fair-play puisqu'il y en a qui étaient là avec leur kilt et qui avaient quand même le béret français, un symbole écossais sur une joue et le symbole de l'équipe de France sur l'autre joue. Ils adorent les Français après chaque match, gagnant, perdant. Et quand ils perdent, ils nous disent good game, bien joué. Alors qu'est-ce qu'ils ont de plus, les Irlandais ? Ben, les Irlandais, c'est un petit peu notre folklore, c'est un petit peu comme nous, comme les Basques, les chansons, les pubs. C'est un autre état d'esprit qui se rapproche plus de côté sud, côté Pays Basque. Bon, et les troisièmes mi-temps, alors c'est vrai que ça picole quand même pas mal. Hein. Ça picole. Hommes et femmes. Enfin, quelques femmes, il n'y en a pas beaucoup des grossesses quand même. Hein. On dit que le rugby est un sport où le ballon est ovale et le sportif rond. Ça arrive souvent au troisième mi-temps. Laurent, il y avait des femmes, je cherchais des femmes, évidemment, d'ailleurs, elles ne sont pas passées dans le sujet, mais au bout d'un moment, je vois qu'il y a effectivement deux, trois gonzesses écossaises qui étaient là, des supportrices, et elles étaient habillées avec un béret basque rouge et des rangées d'oignons autour du cou, mais des dizaines d'oignons, et je leur ai demandé ce que ça voulait dire, ce déguisement. Et elles ont dit, on est déguisées en françaises. Oui, mais on voit que vous n'avez jamais vu des troisième mi-temps de Scrabble. C'est comment ? Les supporters de Scrabble, c'est les pires de tous. Ils balancent de la compote sur la table, des tasses de thé, ils se retournent, ils tricotent devant les joueurs. Enfin, c'est vraiment une catastrophe, c'est une horreur. Bon, Isabelle, bilan de l'ambiance d'un match de rugby, c'est plutôt sympathique. Non, adorable. Ouais. Non, les supporters écossais, absolument adorables. Les Français, je ne les ai pas beaucoup vus, il faut reconnaître, mais les Écossais, vraiment charmants. Je racontais une anecdote, j'en parlais. En Angleterre, les supporters ne peuvent pas monter sur le deuxième niveau des quarts. Ah oui ? Vous savez pourquoi ? Parce que quand ils sont en guide, c'est interdit. Parce qu'on peut voir dessous, et c'était une interdiction, et ça, c'est extraordinaire. On a vu, tout de suite. Hein. Je crois, oui. Ce monsieur-là, Isabelle, vous pouvez vérifier s'il a quelque chose sous son kilt ? Oui, c'est Je peux me permettre ? May I ? It's just curiosity. Vous êtes français ? En tout cas, il reste de marbre. Ah, il a une culotte à rayures ! C'est pas un écossais ! C'est un faux ! C'est un faux ! D'ailleurs, il est... Il est imperturbable, un écossais naturiste. Je me demande si c'est pas Jean-Claude Guesso avec une fausse moustache. Il fait tout pour passer à la télé en ce moment, celui-là. Allez, vraiment, merci à tous. Bravo et merci. Bravo, merci. Un petit coup de cornemuse pour partir. Voilà. On pourra entendre le bébé de Céline Dion dans ses premiers cris. Que vous faites La cornemuse. La cornemuse, ça c'est de la cornemuse. Vous pouvez me le refaire ? Ça fait un peu, non ? C'est pas mal. Vous êtes ridicule. Bah oui. Mais enfin, ça vous fait de l'audience. Allez, on change de sujet.
Lors du séminaire sur l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire qui s'est tenu à Paris la semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Jack, a annoncé que 94% des élèves de CM2, 94%, je fais comme Gérard Roy, 94% apprennent désormais l'anglais et que dans 4 ans, écoutez bien, dans 4 ans, tous les enfants devraient apprendre une langue vivante dès la maternelle. Apprendre l'anglais, d'accord, mais le retenir, ça c'est une autre histoire. Où en est le niveau d'anglais des Français? C'est Franck Dubosc qui a testé pour nous, ou a still this question. What do you do, Frank, for this test? I go in the street with the camera to find people who can speak English with me. On the camera was hired par Jean-Pierre Petit, the small. Salut, je ne suis pas Francis Cabrel, je suis Franck Dubosc et aujourd'hui je suis avec Philippe. Vas-y Philippe. 1, 2, 3, 7. C'est bon Philippe. Ne te moque pas public, car Philippe est comme une bonne majorité d'entre toi. Il parle anglais comme une merde. Et pour te le prouver, je vais aller tester le niveau d'anglais des Français. C'est pour ça que je suis déguisé en britannique. Professionnel. Goodbye. Oh, excuse me. Yeah. I'm looking for the dark. And not your bus. No, the dark. Put it here. Sorry? Yes. You are here. Yeah. I am Frank. Good, you're here. Yeah, I am Frank, it's Bob. Yes, Bob. I'm not here. Yeah, I am Boris. You are Boris? Yes. Okay. Okay. You are here. No, I am Frank. What time is it? Yeah, but what time is it? It's 12 past 25. Yes, but what time is it? The time? What time is it? But it's 12 past 25. Okay, thank you. But what time is it? I don't know what you want. Help! I need somebody, help! Not just anybody. Uh-huh. Oui. I want to go. Vous parlez français? Uniquement le français, oui. Ah. Rien de serait. Comment on dit? You know this. Je ne sais pas le dire en français. You know the kitchen, the little kitchen. Par la cuisine, je ne sais pas ce que ça veut dire kitchen. 1, 2, 3, 4. 4. And 5. 5. What is this? This is not no chicken. Poulet. Sorry. Mais tu parles anglais, Jocelyne? What is this? Poulet. Qu'est-ce que c'est? Poulet. Poulet. Help! I need somebody help! Not just anybody. You French? Yeah. Français? Oh, yes, from my family. Can you say hello? Ah bon, d'accord. Hello. C'est I fuck you. Oh là là, c'est difficile. Voilà. I repeat after me. I. Vous parlez anglais? Non, parle pas. I fuck you. I fuck you. I fuck you. Fuck. To the camera. Oui. For my family. I fuck you. You know, what's the crime, what's the punishment? The answer seems to vary from place to place and from time to time. What single to deal of a sudden got single to work from society says it's a matter. Tell me, when is it last time you spoke English? Ah, le dernier! Le dernier, Franck, vous m'avez fait avoir. Ah oui. Il parlait anglais mieux que vous. Ah oui, et puis en plus, non, mais moi je leur disais n'importe c'est quoi, pas moi. Hein. Non, je leur disais n'importe quoi, moi. Et lui m'a dit, mais si vous voulez, on peut parler danois. Ah oui. Et puis comme il a vu que je comprenais pas le danois, il fait, mais ma petite fille, elle parle espagnol. Et c'était, il y a une dame qu'on avait un petit peu là qui essayait, qui faisait des efforts surhumains pour me parler anglais, puis elle disait, oh, c'est horrible. Votre vrai niveau dans la vie, vous parlez vraiment anglais, Franck? Yes, I do. Non.
Mais j'ai travaillé beaucoup en Angleterre, en c'est fait. C'est vrai. Oui, oui. J'ai tourné en Angleterre comme comédien. J'ai tourné en Angleterre et puis aussi je présentais une émission qui s'appelait Europe Express où je partais faire. Attends. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Comme une vache espagnole. Tu parles super mal anglais. Attendez, faites une conversation avec Franck pour vérifier. Claude, allez-y. Now, let me test your English. Let me test your English. You're welcome. Well, oh, c'est pas mal, ça, il l'a bien compris. Allez, continuez. Oui. So, what did you think? How well did the French speak? Very good. Very well. Very good. They speak very well. That's true. I was very disappointed because I thought... Tu veux que je continue? J'étais... Non, non, Claude m'a dit que le niveau d'anglais des Français, il n'est pas si mauvais que ça. C'est vrai. Parce que chaque personne... Enfin, on est à Paris, là, aussi. Hein. Ouais. Et chaque personne... Vous voulez que les Parisiens sont moins doués que les autres? Non, c'est pas ça, mais peut-être qu'ils ont plus... Ils faisaient un effort, tous, ouais. Pour essayer de m'aider. Et c'est vrai qu'on était tombé le jour du match... au Stade de France. France-Écosse. Et je pouvais dire n'importe quoi. Il me disait, Stade de France? Stade de France? Gueuluc. Vous vous posiez la question de savoir si les Français étaient doués ou non pour les langues. Je crois que le français de base a peu la notion qu'on parle d'autres langues dans le monde. Oui. Un jour, je me trouvais en Bulgarie. Dans un restaurant, il y avait un couple de Français qui se trouvait à côté de moi, devant un serveur bulgare, ouais. Qui ne parlait que bulgare. Et le type lui commande, il dit, on voudrait deux beefsteaks frites. Ouais. Et le type, le bulgare, donc, ne comprend pas bien. À mon avis, il connaît l'histoire. Non, non, non. Il dit un truc en bulgare. Deux beefsteaks frites. Et le type articule. Il ne comprend pas. Et le type s'énerve, le français s'énerve, et il dit deux beefsteaks frites. Mais il dit, mais bon sang, je parle français. Et il disait ça à un bulgare. C'est vrai. C'est tellement vrai. Je rigole, je connaissais pas son histoire, mais nous, quand vous venez d'un petit pays ou quand vous venez d'une langue dont on se dit, on sait qu'il faut parler d'autres langues. Alors que c'est vrai que la France, elle a un tel rayonnement à travers le monde que le français croit que forcément, eh bien, dans un autre pays, les gens vont essayer, vont... Non, les pires, c'est les Américains. C'est qu'on n'a pas entendu. Alors les Français, moi, je voulais vous dire, là, franchement, c'est pas du tout pour parler comme Gérard Miller. Mais il y a une distinction de classe absolument phénoménale. Ouais. Parce que dans la bourgeoisie, croyez-moi, les enfants, on leur donne, si on ne peut pas leur donner des nannies, on les met très souvent maintenant dans des nannies anglaises, absolument. Regardez-moi, ma première langue, c'était l'anglais. Et on les met dans des collèges, dans des lycées bilingues. Il y en a plusieurs à Paris, ils sont très très chers. Et c'est un énorme avantage pour ces enfants. Ils ne sont pas très très chers. Et je crois que ce qu'il faudra maintenant, c'est justement que, comme l'angle le demande, qu'on commence à la maternelle. Oui. En tout cas, tu te démerdes bien en français, dis donc. Ouais. Allez, on va continuer le débat dans un instant. Vous pourrez dire tout ce que vous voulez. Mais pour nous donner un véritable avis sur notre niveau d'anglais, il fallait évidemment inviter quoi, un anglais. Hein, et un anglais célèbre sur France 2, c'est celui que nous a fait découvrir Christine Bravo dans Union Libre il y a de cela quelques mois. Je vous demande d'accueillir le comédien et britannique David Lowe. Je n'aurais qu'une question, Mr. Lowe. Comment qu'on cause? Vous parlez très fort, non? Comment qu'on cause? On cause en anglais? Nous. Comment qu'on cause les Français en anglais? Très mal, mais c'est ce que j'adore. J'adore, parce que vous avez tout tort, en effet. Ça fait trop préparé si je commence avec... Vous avez tout tort. Parce qu'en anglais, il adore votre accent. Ah. Il faut le garder riche. I love you. Thank you. Non, mais on peut avoir un beauf français qui part en Angleterre. Il parle avec son accent. I love you, I want to sleep with you. Et toutes les Anglaises craquent. C'est vrai? Et les Anglais aussi. Je... Mais c'est la même chose que ton accent quand tu parles en français. Hein? C'est vrai, ouais. J'ai un accent. On l'adore, c'est vrai que c'est craquant. C'est ouais. La même chose. Donc vous conseillez de ne pas faire d'efforts pour apprendre l'anglais phonétiquement, enfin, comme on le parle ouais. Là-bas. Je suis très ennuyé quand quelqu'un vient me voir en français qui parle. Ah, il y en a encore là-bas. Je n'ai pas remarqué. Vous êtes 6? Alors, tu as jamais regardé l'émission? Mais non, mais c'est rien. Nous, on regardait pas la tienne. Non, oui. Alors donc, vous vouliez dire? Quand quelqu'un vient me voir, un monsieur avec une cravate qui parle très très bien français, ça veut dire qu'il non anglais. Je mélange les pédales tout de suite. C'est pas grave. Oui. Allez-y. Donc, il parle très, très bien anglais. Les Français, ça veut dire qu'il a appris l'anglais pour le commerce, pour faire de l'argent.
Mais ça, c'est chiant. Mais non, c'est pas vrai. Si, 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 c'est chiant, c'est pour travailler dans le city. Justement, il l'a peut-être appris en écoutant les disques. C'est susceptible, celle-là. She's very susceptible. Ouais. She's belle. Derek ? D'abord, moi, je parle... Il faudrait les interdire, les langues étrangères, parce qu'on est quand même champion du monde. Bon, alors... Désolé. On est quand même... En air. Ouais. En football. Handball. Et puis il y a plein d'autres trucs où on aurait dû être champion du monde et on n'a pas été à cause des arbitres. Hein, donc, bon. Je vais parler de ma propre expérience pour l'anglais en tout cas. J'ai fait 10 ans d'anglais, c'est-à-dire de la 6e, de la 6e jusqu'à la terminale, plus 3 ans d'études supérieures, en plus dans une école au Havre qui s'appelait les Affaires internationales. J'ai fait un DOG, administration économique et sociale, et un DUT, gestion des entreprises et administration. 3 ans d'anglais en plus de tous les cours d'anglais que j'ai eu depuis la 6e. Et j'ai un niveau mais lamentable. Non, et pourtant, j'avais des notes correct. Donc, je ne suis pas uniquement le seul fautif, c'est qu'on nous apprend mal, quand même. C'est normal. C'est pareil en Angleterre, c'est pareil. C'est vrai? Oui, moi, j'ai fait 10 ans de français aussi, mais c'était le soleil brille dans le ciel et j'ouvre la fenêtre. Et puis, je vais dans une boulangerie pareil pour chercher une baguette. J'hésite un tout petit peu sur le mot, elle dit « ensuite ». Là, on apprend très vite. Ah, mais j'ai une anecdote, moi. Alors, l'inverse, je vais à New York. J'ai raconté ça déjà à mes copains. Je vais à New York l'été dernier. Je cherche un compact disque de Sting, ce qui est idiot parce que je pourrais très bien le trouver à Paris. Mais bon, voilà, d'abord, c'est moins cher à New York. Puis, on aime bien se balader dans les magasins. Et je cherche un CD de Sting et je vais voir une. Je ne trouve pas. Je vais voir une vendeuse et je lui fais I look after Sting. Alors, je lui fais Sting. Sting. Rien à faire. Alors, elle ne comprenait pas ce que je lui demandais. Je recherche dans les bacs et je trouve finalement mon CD. Donc, quand même, on est tous comme ça. Je retourne la voir avec mon CD. Je lui fais Sting. Et elle me fait « Oh, Sting !» Oui, imaginez-moi. Alors là, moi, je veux qu'on m'explique. Ouais. Expliquez-moi. Je peux expliquer très simplement. Parce qu'imaginez, vous travaillez chez, je ne sais pas où, en train de vendre, et je vous dis Bruel. Bruel. Patrick Bruel. Tout de suite. Non, mais vous trichez là, Bruel. Non, 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 on est. Mais non, moi je comprends, je suis pas non, idiot. Mais il vous non, a taquiné un tout petit peu quand même. Bruel. Ah, oui. Qui? Patrick. Je ne comprends pas. Patrick. Oui, voilà, Bruel. Bruel. Je ne vois pas. Bruel. Je ne comprends pas. I am looking for Bruel. Je ne vois pas. Bruel. Ah, Bruel. Oui, Bruel. Non. Moi j'aurais compris. J'aurais compris. Attendez, David. David, demandez-la moi à Bruel. Qui vous a dit mon nom? Il est marqué. Il est marqué. Là. Il est marqué. Oui, sinon, je ne saurais pas. Hein. Je vous aurais bien appelé Louis Acariès, mais c'est un autre. Alors, refaites avec moi, Bruel. Deuxième blague que je vais donner. Essayez, Bruel. Allez-y. Ok, je vous écoute. Demandez-moi. Non, mais j'écoutais pas. En anglais, vous êtes en anglais maintenant. Un peu simple qui vient me demander un disque de Patrick Bruel. Ah, j'aimerais bien un disque. Moi, je ne demanderai jamais un disque de Patrick Bruel. Je suis anglais quand même. Ça, c'est trop. Allez-y, pour lui faire plaisir. Non. Pour lui faire plaisir, il vient de préparer un truc, il vient de trouver une belle connerie, alors faites-lui plaisir. Non, mais je vais le faire. Je suis comédien. Je vais faire l'anglais, moi. David, je ne veux plus vous entendre. Laurent, vous êtes... Bonjour, monsieur, je suis anglais. Oui, monsieur. Je parle français comme David Lowe. Oui. Et je cherche un disque de Patrick Bruel. Comment? Patrick Bruel. Je ne connais pas, mais j'ai un très bon disque de Sting. C'est pour ça, très bien. Ok, Derek. C'est vrai que quand on est les Français, ils ont une spécialité. Quand ils sont à l'étranger, ils aiment bien trouver d'autres Français. Oui. T'étais, je sais pas où, en Thaïlande, t'entends un mec qui parle français. Oh putain, t'es Français? Ouais. Et t'es d'où? La Tour du Pin, t'es comme moi. Alors quand t'es à la Tour du Pin, des Français de la Tour du Pin, t'en vois tous les jours. C'est qui? Et là, tu préfères être à Bali. Ceux qui ramassent tout, ils battent absolument tous les records, c'est les Japonais. Moi, j'étais à Tokyo et je demandais des renseignements, pas plus précisément, un service, une chambre, je voulais qu'on change. Et le petit, il était là comme ça, il disait « Computer, c'est no ». Le computer dit non. Oui. Computer, c'est no à toutes mes questions. Computer, c'est l'ordinateur no. Dit non. L'ordinateur dit non. C'est tout ce qu'ils savaient dire. Et oui, mais vous savez pourquoi ils ne tapent pas souvent sur leur clavier d'ordinateur dans les hôtels japonais? C'est parce qu'ils doivent tenir leurs doigts comme ça. Allez, ce sera le mot de la fin. On vous remercie, David Lowe. Paris CS.
Allez, on passe à un autre sujet. Dessiné et construit par Gustave Eiffel, et c'est pas la tour Eiffel, hein, et inauguré en janvier 1889, le Paradis Latin est l'un des plus célèbres cabarets de la planète. Il attire rive gauche autant de spectateurs français qu'étrangers. Ce sont 25 danseurs et danseuses qui mènent là-bas la nouvelle revue. La revue a été mise en scène par Christian Durat, et la revue s'appelle Paradis d'amour. Chez nous, c'est Claude Sarraute qui, justement, a décidé d'être de la revue. Alors, Claude, c'était comment là-bas? Écoute, c'était formidable. C'était bien. Non, ouais. C'était très, très bien. Mais ce qu'il y avait de mieux, tu sais, c'est quoi? C'est le réalisateur, c'est Christian Durat, que vous connaissez tous, d'ailleurs, parce que c'est lui qui a fait les versions françaises de tous les films de Spielberg, du Titanic, de Terminator, et de... Tu sais, là où ça s'écroule, là? Le Titanic. Le Titanic. Et alors, là où ça s'écroule. Et alors, il est charmant, il a un petit physique comme ça d'intellectuel, des petites lunettes, tout mince, c'est adorable. Et il a un sens extraordinaire du nu. Bon. Il adore le nu, et vous allez peut-être en voir quelques images. On va voir des images tout de suite. Merci, Claude, de l'annoncer. C'est parfait, les voici. Allez-y. Il faut que vous sachiez que ces jeunes femmes et ces jeunes gens, ils sont superbes. Il y a des garçons comme les plus beaux que j'ai jamais vus au musical et dans les revues nues. D'habitude, c'est des petits avortons. Là, c'est des splendeurs. Eh bien, ils sont nourris au grain diététique. Absolument. Pendant les 6 mois des répétitions, ils ont un repas tous les jours à 15 heures où on leur donne ce qu'il faut pour qu'ils gardent cette forme et même qu'ils l'affinent ou qu'ils la remplument selon les cas. Les mecs comme les filles. Les mecs comme les filles. Et alors, ce Christian Durat, il a un œil absolument au laser. À 24-25 ans, s'il y a un sein qui tombe un peu plus bas que l'autre, hop, viré, on en reprend des nouvelles. Et le seul problème qui se pose, c'est qu'il les habille trop. Je ne sais pas ce qu'il a avec sa costumière. Ah oui, c'est trop. Il adore ses costumes. Là, ce qu'on voit, elle est... trop. Elle doit avoir chaud. Non, ça, c'est un petit sujet qu'on présente avant le dîner-spectacle. Ouais. Et alors, après, vous verrez le dîner-spectacle. Il y a des grandes tuniques qui datent de l'époque du roi Salomon. Elles ne sont pas assez nues à votre goût. Elles ne sont pas assez nues à mon goût. Tu disais tout à l'heure qu'ils sont nourris au grain. C'est pour ça qu'ils ont des plumes partout. Isabelle Alonso, est-ce que Claude vous a convaincu d'aller voir le spectacle du Paradis Latin? Ça m'a pas l'air d'être d'une créativité intense. Mais quand non, même. Tu n'as rien vu là, mon chéri. C'est d'une bande annonce. Non, mais c'est les gens à poil, les plumes dans le derche, l'escalier qu'on descend, Paris, Champagne, les bulles, oui, le cœur. C'est le Lido, c'est le Moulin Rouge, c'est tout ce que tu aimes. Ce qui m'a frappé, c'est tout ce que j'aime. Cette clientèle de jeunes français, moi j'adore. Il y en a plus tant que ça à Paris. Il faut le dire, vous avez donné les noms. C'est vrai, il y a le Lido, le Moulin Rouge, le Paradis Latin, et voilà, et c'est tout. Moi, mes lettres, je les ai faites. Tout, c'est Alain Bernardin qui m'a tout appris. Il m'a appris Alain comment... Alain Bernardin, c'était le directeur du Crédit Le mari de Love Amour. Et il m'a tout appris. Il m'a dit que ses revues, ses femmes, il les choisissait impeccables également, bien sûr, elles étaient ravissantes, mais pas du tout pour la clientèle masculine, uniquement pour leurs femmes. Parce que les femmes, tout comme moi d'ailleurs, elles les étudient à la loupe, ces petites nanas, pour trouver le défaut. Elles sont plus exigeantes que les hommes. Tu penses bien. Elles ne pensent qu'à une seule chose. Mais toi, tu crois tout ce qu'on lui dit, toi. Elles cherchent le défaut. Parce que tu crois que... Non, Claude, elle croit tout ce qu'on lui dit. Alain Bernardin lui dit, tu sais, tout ça, c'est pour les femmes. Ne va pas croire que si je mesure les nanas... Mais c'est pas pour les femmes. Comme si c'était des bœufs, du charolais ou des vaches folles, que ça serait pour les mecs, pour qu'ils se rassurent. Isabelle, je t'en supplie, ma chérie, laisse-moi respirer 30 secondes. C'est pas du tout sexiste, cette remarque. Mais je veux dire que c'est sexiste. C'est intéressant. Mais non. Ces femmes ne prennent pas leurs pieds à regarder des petites femmes nues. Elles, ce qui les intéresse, c'est de se dire, finalement, moi, je suis pas tellement moche. Elle regarde les défauts. Tiens, là, là, il y a un petit pli, là, il y a un machin. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui descend. Mais c'est vrai, parce que les hommes, quand ils viennent, ils ne regardent pas du tout. Ils parlent comme ça. Attends, j'attends le non, suivant. Non, mais ils ne regardent pas avec cet œil critique. Hein, ils regardent ébahis. Les hommes sont moins exigeants. Ah. Ils sont ébahis. Ah, ça, ils salivent. Jean-François Deret. Non, je me tâtais. Je me dis, finalement, j'ai dû bouffer un maximum de grains, moi, sans faire gaffe. Hein. Gueluc. On m'a raconté l'existence, je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou si ce n'est qu'une légende, d'un type dont le métier dans les coulisses du Moulin Rouge et des Folies Bergères était chargé, avant que les danseuses ne rentrent en scène, de leur pincer le bout des seins pour raffermir les tétons. Je peux vous dire qui a fait ça pendant longtemps, c'est Sim. Sim a fait ça pendant longtemps au Moulin Rouge ou ailleurs. Ouais, ils en cherchent ou quoi là? Vous aimeriez, vous...
pour toi. Si ça peut aider. Allez, il s'agit, en fait, évidemment, il s'agit de profiter du caractère érectile. Bien sûr, mais moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, parce que quand j'étais plus jeune, je faisais du radio amateur, et je me suis dit, j'ai peut-être des dispositions. Quoi faire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, pour moi, ça n'avilit personne de faire ce genre de spectacle. Non, je trouve ça vachement bien. Je n'ai pas dit que ça avilissait qui que ce soit, j'ai dit que c'était d'une créativité moyenne. Ça veut dire, depuis les années 30, on voit toujours un peu le même spectacle avec des couleurs différentes et des paillettes différentes. Oui, mais... Je n'ai pas dit que ça avilissait qui que ce soit. Arrêtez de m'envoyer des étiquettes. Non, mais je suis d'accord avec Isabelle. Le dispositif scénique, c'est toujours un grand escalier. La seule innovation qui a un jour été faite, c'est qu'ils ont mis l'escalier dans l'autre sens et envoyé pour rien. Derek. Moi, personnellement... Non, je suis pas trop preneur, moi. Pourquoi ? Oh, ces trucs de... Vous savez, on voit des belles filles, tout, il n'y a pas un poil qui dépasse, on n'a pas le droit de toucher, sont nues, mais on n'a pas le droit de toucher. Moi, je préfère des filles habillées qu'on a le droit de toucher, franchement. Et à tout prendre, je préfère un bon vieux film porno. Ah oui, avec des sous... Ah bah oui, avec des sous... Le paradis lapin. Allez, bilan du test Claude Sarraute, vous conseillez le paradis latin? Oui, je conseille. Et si vous avez envie de vous payer une soirée comme ça, pour rigoler, tu vois. Et Claude, est-ce qu'on mange bien? C'est pas terrible. Ah. Mais honnêtement, la bouffe est pas fabuleuse. En revanche, là-bas, tu peux y croiser Claude Sarraute. Allez, on vous applaudit, on vous remercie, Claude. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On change de sujet. On fait quoi? On change de sujet. On change. J'ai l'impression d'être hardisson maintenant. On est en train de chauffer le public. On change de sujet. Et on ne bouge pas pendant le jingle. Allez, je ne sais pas si vous allez être rendu compte aujourd'hui. En tout cas, c'était la première journée sans portable. Jour de la Saint-Gaston. C'était fait exprès, évidemment. Hein, Gaston, il y a le téléphone qui sonne. C'est l'idée d'un jeune auteur de polar français qui s'appelle Phil Marceau, dont l'initiative consiste à reconquérir l'espace de la communication humaine. Vaste programme. Philippe Gueluc, qu'on n'avait pourtant pas sonné, a trouvé là un bon mobile pour tester si les cellulaires sont vraiment dangereux pour la santé. Alors, Philippe ? C'est difficile à dire. Je ne sais pas dans quel état mental je me trouverais si je n'avais pas téléphoné comme je l'ai fait avec mon portable. On va regarder votre sujet réalisé, filmé par Jean-Pierre Petit. Encore lui ? Bonjour, mardi 6 février, je vais tester pour vous la journée sans portable. Certains nous disent que ce petit appareil pourrait nous donner le cancer du cerveau, d'autres nous disent qu'il ne représente aucun danger. Alors je vous propose de faire le point sur ce nouveau fléau du 21e siècle. Comment t'appelles-tu ? Alain. Qui est le maire de Paris ? Jean Tiberi. Qui est le président de la République ? Jacques Chirac. Formidable. Maintenant, nous allons pendant quelques minutes bombarder le cerveau de notre cobaye avec des ondes de téléphone portable et juger du résultat ensuite. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Et voilà. Alors, comment tu t'appelles ? Jean Tiberi. Qui est le maire de Paris ? Jean Tiberi. Qui est le président de la République ? Jean Tiberi. Tu te sens bien ? Oh oui, Jean Tiberi. Eh bien, donc visiblement, le téléphone portable pourrait représenter un danger pour le cerveau. Assez de jérémiades, des solutions. Le téléphone trop près du cerveau, c'est dangereux. On ne peut pas non plus le tenir comme ça, on entend moins bien son interlocuteur. Alors la solution, en tout cas celle que j'ai adoptée, c'est celle de l'assistant. Allô, Laurent ? Allô, Laurent ? Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Je suis occupé, là, en ce moment. Mais attends, je te paye pour quoi ? Ben alors, je te paye pour quoi ? Non, je te paye... Moi, je te... si t'es occupé... Mais c'est moi qui te paye. Non, mais si t'es occupé. Oh, merde. Mais merde. Attends, si vous tombez sur un assistant trop con, excusez-moi, adoptez la dernière solution, la journée sans portable. J'ai demandé à mon assistant de se déguiser en Stéphane Boulanger, brigade anti-GSM. De verbaliser, de confisquer, de broyer les GSM. Cet appareil est à toi Stéphane. Il est interdit de téléphoner dans Paris, oui. À moins d'utiliser une cabine téléphonique. Oui. Je suis obligé de le confisquer. On fait le reportage sur la journée de anti-portable. Oui. Et vous étiez au courant ? Il y a une campagne toute la journée d'hier, à la télévision, à la radio. Moi, je travaille le matin de bonne heure et je rentre le soir tard. Je peux vous le rendre tout de suite, mais dans quel cas, je suis obligé de détruire. Je vous rends votre téléphone. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond.
vous déranger. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée sans portable. Je suis de la mairie de Paris, brigade anti-GSM. Je suis obligé, là, donc, hop, de le confisquer. C'est une blague? Non, absolument pas. C'est la mairie de Paris. Et vous pourrez le récupérer à la mairie de l'arrondissement demain dans la journée. Et la dame, là? Quelle dame? Eh bien, elle passe avec son portable. Il y en a plein, là. Ah, mais je ne l'ai pas vu. Excusez-moi, le monsieur est en train de me parler. Vous voyez bien, là, il y a plein de personnes. Ce que je peux faire, simplement... Voilà, je suis obligé de, pour vous le rendre, de le détruire et... C'est quoi ce bordel, voilà, vous voulez récupérer votre téléphone? Non, j'ai pas le temps, là, j'ai mon portable, puis sinon je vais me plaindre, c'est qui votre patron, là? Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Voilà, dans le cadre de la journée sans portable, on est obligé de vous le confisquer, vous pouvez le récupérer demain. Je peux vous le rendre tout de suite, mais dans quel cas, je suis obligé de le détruire. Au prix où je l'ai payé, on ne va pas me le détruire, j'en ai besoin en plus, faut que j'appelle mon père pour qu'il vienne me chercher. Ouais, comment je fais alors? Je vous le rends. Ah, il n'a pas été détruit? Si, si. C'est parce problèmes. Que je suis obligé, monsieur. Voilà. Et je vous rends ça, c'est la preuve. Vous voulez que... sur les pauvres, je rien fait de mal, il était en train d'appeler son père pour qu'il vienne me chercher. Non, faut que ça tombe sur moi, quoi. Alors, parce que c'est la journée sans portable, ça y est, on nous détruit notre portable. C'est n'importe quoi. Moi, j'en ai marre de ces problèmes de portable. Alors, tant qu'on ne sait pas si oui ou non ça donne le cancer du cerveau, moi, je continue à utiliser un appareil à fil. Oui, j'ai prévu un fil de plusieurs centaines de mètres. Vous n'avez pas honte? C'est la solution? Quoi? Le fil? Oui. C'est la solution. Bon, c'est... Chacun sort de... Bon, là, j'étais seul. J'ai traversé tous les Champs-Élysées avec un fil. Oui. On a arrêté la circulation. Ça a créé un bordel. Imaginez si tout le monde faisait ça. Bon, alors, je le redis. Hein, vous n'avez vraiment pas cassé les portables des gens. Mais non, bien sûr. C'était une machine qui faisait du bruit, mais qui... Et vous aviez préparé les petits sachets. Oui. À l'avance. Oh, après, vous leur avez rendu leur portable. Non, mais ça, c'est... Non, mais attends. Claude. Moi, ce qui m'a frappé... Philippe, c'est incroyable, c'est l'équanimité de tes clients. Mais quoi? L'équanimité, le calme. Ah, elle t'a regardé comme un... Attendez, là, l'équanimité. Les clients sont... Ça, c'est un mot de la dictée de Pivot. L'équanimité. Et quand il n'y en a qu'une, c'est une équanimité? Non. On peut l'employer dans quel... Eh ben, dans ce cas-là. J'ai connu l'équanimité de Jen, elle s'appelait, non? Et tu peux dire à quelqu'un... C'est pas ça? Ça fait bien, Et alors, tu peux dire... On sent qu'elle a travaillé au monde. Hein. Mais écoute, un effort et c'était les rabats. Écoute, Claude. L'Académie française n'est pas là. Écoute, Claude, dans ce tournage, s'il y a bien une chose qui m'a frappé, c'est l'équanimité des gens que nous avons croisés. Voilà. Derek. Tu n'es pas équanime. Derek. Non, c'est utile quand même. Moi, je ne peux pas m'en passer du portable. Du portable? Mais non, parce que déjà, bon, je ne sais pas si c'est radioactif. Par exemple, un truc pratique, c'est que tu peux te faire une radio du cerveau en direct. Si tu téléphones à ton docteur, il voit ton cerveau sur son ordinateur. Par exemple, ça, c'est déjà bien. Un autre truc, par exemple, bon, tu téléphones à un copain. Ouais. Et tu dis, tiens, mec, il dit, oh, alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, tu dis, je sais pas, ouais, d'accord, on peut se voir. Et à ce moment-là, tu dis, ah, non, j'ai un mini-message. C'est des mini-messages. Un texto. Non, mini-message. Ou texto, oui. On appelle ça un texto. Disons un mini-message, mais texto. Alors. Je vais vous mettre d'accord. Imagine que sur le mini-message, il est écrit T-E-X-T-O. Voilà. Bon. C'est un texto. Et alors, sur le mini-message, il y a écrit « C'est fini, connard ouais. ». Bon, bah, comme ça, en direct, je sais que c'est fini, connard. Et je dis ouais, bon, bah, c'est bon, je suis libre ce soir. Voilà. Je suggère qu'on invente très vite le téléphone sans bide. Oui. Non, mais je porte plainte contre cet individu qui a bien vu que je m'engageais sur la voie du succès et qui m'a interrompu avec son texto minable. Tout ça pour que je me... C'est petit. Voilà, mais tu sais que tu ne dois pas commencer sur ce ton-là, toi, mon petit bonhomme. Sinon, je vais t'envoyer Gérard Miller le mois prochain. Alors là, je trouve que tu manques d'équanimité. Donc... Ah.
Revenons à la journée sans portable. Est-ce que vous en êtes aperçu aujourd'hui que c'était la journée sans portable? Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il va venir le monsieur qui a inventé ça? Bien sûr, on accueille même dès maintenant. Merci pour votre question, Claude. Je l'avais quasiment oublié. Voici l'auteur de Tueur de portable sans mobile. Apparence, c'est son titre. C'est le titre du bouquin qu'il a écrit aux éditions Megacom ICA. Je crois même sa propre maison d'édition. Je vous demande d'accueillir Phil Marceau. Marceau, bonsoir, qui avait eu l'idée de cette première journée planétaire, hein, dites-vous, planétaire. Bah oui, parce que le portable, c'est planétaire. Mais vous pensez que dans les autres pays, ils ne vous ont pas suivi non plus? Ah si, si, le Canada, la Belgique, la Suisse. Bah, ah, c'est le monde, et les Français, le monde, entre parenthèses, les Français ont été très mous sur cette histoire. Ah, bah, alors, pourquoi vous avez lancé cette première journée sans portable, qui n'a pas été, il faut bien le dire, trop suivie pour la première fois? Bah, de toute façon, le principe, c'était de prolonger le propos de mon ouvrage, qui est un tueur invisible qui tue à distance les gens qui ont des portables. Donc, il y a énormément de boulot. Et en fait, je me suis dit... Ça fera de la pub, tu t'es dit. Non, non, parce que j'ai sorti en fin 99. Ouais. On est en 2001. Tu fais rebondir. Alors donc, l'idée, c'est tout simplement de prolonger le propos et de faire un grand débat de réflexion. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre l'avancée technologique. Mais voilà quoi. Vous n'utilisez jamais de téléphone portable? Non, pas du tout. Jamais? Jamais. Jamais. On a la preuve du contraire. On vous le montre. Et bonjour. Bonjour, c'est Philippe Gueluc. Je suis désolé, voilà. Ça n'arrive jamais, mais je quitte le studio à Europa. Alors écoutez, ce qu'on va faire, je vous pose ma question. Oui. Vous planquez le portable et vous répondez comme si de rien n'était. Vous n'utilisez pas de portable? Eh non, justement, alors là, je vois une très mauvaise image de marque. D'où vous vient cette haine des portables? D'accord, ok, ok, bon. Je n'ai pas de haine contre les portables. Voilà. Allô? Oui. Deuxième question. Deuxième question. Quand on voit la réaction des gens à une journée sans voiture, est-ce que vous pensez que la réaction populaire va pas ressembler un petit peu à ça vis-à-vis du téléphone portable? Alors justement, moi je ne veux pas que ça soit une journée comparée au sans-tabac ou sans voiture. Est-ce que vous avez vous-même un portable ou est-ce que c'est un instrument que vous utilisez? Eh bien non, je n'ai pas de portable. On vous a piégé! Ouais, oui. Mais en fait... On vous a prêté un portable. Pardon. Non. Je vous dois des excuses parce que nous ne nous sommes pas rencontrés. En fait, on voulait vous faire une caméra cachée. Et donc, l'équipe était là. Moi, j'étais de l'autre côté du café. Vous ne pouviez pas me voir. Et on a prétexté un retard de ma part. J'avais été retardé. Comme quoi, ça peut servir de temps en temps. C'est utile, le portable. Et donc, j'ai fait appeler monsieur. Sur, oui, ben, ça sera peut-être la dernière fois que vous verrez avec un portable. Je pense qu'avant le portable, on était un peuple pudique. Oui. Et maintenant, avec le portable, on est devenu un peuple exhibitionniste. C'est-à-dire dans les lieux publics, le bus, le métro, les gens racontent leur vie. Je veux dire, il n'y a plus de... Alors je me demande si tout compte fait, l'année prochaine, s'il ne faut pas faire une journée sans culotte. Tout compte fait. Quoi? Une journée sans culotte. Bah oui, le problème de la culotte, c'est qu'on répondeur est plein, il faut le vider. Bon, alors, il y a des études contradictoires. Le Canard Enchaîné faisait fort justement remarquer la semaine dernière que, d'après la même étude commandée par la Direction Générale de la Santé, différents journaux titraient, tout et son contraire. Par exemple, on pouvait lire dans Le Parisien « Les portables ne seraient pas dangereux ». Et dans Le Monde, téléphone portable, des scientifiques préconisent une utilisation prudente. Et tout ça à partir de la même étude. Alors, on n'en sait rien, finalement. Alors, justement, cette journée va être utile dans la mesure où on va remettre sur le tapis le problème de la santé. Si ça fait avancer les choses, tant mieux. Et je pense que le problème, c'est que les opérateurs sont très discrets sur ce coup-là. Et c'est juteux comme... Et vous avez un nom de code pour désigner l'ennemi, le mobilou. C'est quoi ça, le mobilou? Ouais, c'est un côté sympathique, parce que dans mon bouquin, j'en avais marre de répéter téléphone mobile, mobilou, c'est un côté plus sympathique. Parfait, bon, on a compris, voilà. Merci. Merci. Cinéma. Depuis quelques semaines, le cinéma français remplit les salles après Le Placard de Francis Weber et avant La Vérité si je mens 2 de Thomas Gilou. Le film sort demain. Il y a un autre film cartonne, un autre film français cartonne sur les écrans depuis mercredi dernier. C'est Le Pacte des loups de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequesne, Jean-Yann qui sont donc à l'affiche de cette super production que toute l'équipe est allée voir. On vous donne bien sûr notre avis après cet extrait.
Dire si vous avez aimé, pas aimé. Je ne connais absolument pas votre avis pour l'instant. Et moi, je vais avouer quelque chose aux téléspectateurs. Je n'ai pas encore vu ce film. Et je compte sur vous six pour me faire mon opinion. Et j'irai ou je n'irai pas en fonction de ce que vous allez me dire. Alors, j'ai envie de commencer par Claude. Tiens. Écoute, oui, pour un jeune garçon comme toi, ça devrait te plaire. Moi, je dois dire que j'ai trouvé tout ça un peu beaucoup. Hein. C'est-à-dire? Trop de sang, trop de hurlements. Mais il y a un truc merveilleux, c'est ce qu'on vient de voir. Elle est très bonne, la bande-annonce. Oui. C'est les scènes de kung-fu et d'arts martiaux qui sont interprétées par un ange de beauté. Je ne crois pas que tu l'aies cité. Il s'appelle Marc Descassos. Exactement, tout le monde a relevé sa présence. Il est à tomber par terre. Ouais. Il est d'une telle poésie. Il est censé jouer un Indien de la Nouvelle-France. Marc Dacascos, si ça. Marc Dacascos. Marc Dacascos. Faut qu'il change de nom. Samuel Le Bihan l'a ramené dans ses bagages après un séjour dans ce qu'ils appellent la France d'Amérique ou l'Amérique de la France. Je ne sais pas. En tout cas, l'acteur est un Haïtien. Il joue un Indien, un Mohican. Et il est sublime de beauté, de poésie, et ça donne une dimension extraordinaire au film. Malheureusement, il meurt très vite. L'Indien. Ah, bon. Très vite. Vous avez aimé ou pas? Moi, je n'y retournerai pas. Voilà. Vous, Gueluc, vous avez aimé? Alors, disons que mon enthousiasme est moins visible que celui de Claude. Ah ben non, j'ai pas d'enthousiasme, moi. Oh, mais tout d'un côté de ce que je vais dire, ça va passer pour de l'enthousiasme. Allez-y. Mais non, mais moi, j'étais dans une salle remplie de jeunes spectateurs d'un public étudiant. La salle était pleine à craquer et le public était mort de rire d'un bout à l'autre du film. Mort de rire? Oui. Et Isabelle m'a dit que chez elle aussi. Alors, non. Mais pourquoi mort de rire? Je trouve que ça a un petit côté grotesque. Sauf que le kung-fu au XVIIIe siècle, ça cadre pas tout à fait. Alors, si c'est fait au second degré, c'est pas mal. Comme l'épée de Vincent Cassel, qui comme un truc, qui se déplie comme sur un jeu de Nintendo. Ouais. C'est assez amusant dans un film futuriste. Mais dans un film d'époque, ça... Ça se passe sous Louis XV. Ça fait rire, voilà. Ça se passe sous Louis XV. Beaucoup de comédiens sont formidables. Tous. Presque tous. Et je trouve que particulièrement, la petite Émilie de Ken est une révélation. T'es pas chauve, non, toi, on se souvient de ce qu'on... Parce qu'elle est belge. Non, parce qu'on avait dit à l'époque du film pour lequel elle avait... Rosetta, pour lequel elle avait eu le prix d'interprétation à Cannes. Qu'elle ferait rien d'autre, que c'était une fille qu'on avait pris comme ça, qui jouait un rôle et puis pouf, c'était fini. Même moi, je crois que c'est une vraie comédienne. Ah oui. Voilà. Alors moi, je pense tout le contraire d'eux. C'est-à-dire que pour moi, la force du film, elle est justement dans ses cascades, dans ce côté kung-fu du truc qui donne une dimension et un côté assez incroyable et totalement neuf par rapport à tous les autres films qu'on ait pu voir. C'est bon, maintenant, ceci dit, à un moment donné, des bagarres, il y en a un petit peu trop, quoi. La dernière, elle est de trop. Mais en revanche, je trouve que justement, les comédiens manquent un petit peu de poésie. Et je trouve que, pour moi, le bas blesse quand les comédiens parlent. Parce que entendre Samuel Le Bihan dire à Jérémy Régnier, t'inquiète pas, ça va aller... Ça tique. Pendant 30, on se dit... c'est-à-dire que... je pense qu'ils ont... Pourquoi ? Ça va pas aller ? Mais c'est pas ça, mais parce que... C'est quand même une langue particulière, cette langue du XVIIe siècle ou je sais pas quoi. Et moi, je trouve qu'elle... Et je trouve qu'ils l'ont pas toujours en bouche. Mais ça, c'est quand même une gigantesque fresque. La lumière est magnifique. Les décors sont extraordinaires. Ça, c'est mortel. Quand on commence à dire d'un film, la musique est formidable, et la lumière non, et les décors sont remarquables aussi. D'un film, pareil, c'est important. Dubos, le pire, c'est si tu disais, c'est dommage, les acteurs sont devant, mais bon. Vous l'avez vu, vous? Mais moi, j'ai pas été très choqué par les scènes de bagarre et de kung-fu, comme ça. Je trouvais qu'il y avait un grand message dans le film. De toute façon, moi, j'adore Tom Hanks, donc j'étais sûr que j'y serais... Attendez, vous avez vu Seul au monde? Oui. Non, là, on parle du Pacte des loups. Ah, mais moi, quand je suis allé voir le Pacte des loups, c'était complet, j'ai pas pu rentrer. C'est vrai. Et vous êtes retrouvés sur le monde.
C'était complet. Et c'est bien, ça, le monde. Ah, mais j'ai beaucoup aimé. C'est formidable. Allez-y. Tom Hanks. Ah, moi, j'adore Tom Hanks. C'est une splendeur. Bon, ce film est une splendeur. On continue quand même sur le pacte des loups. Je dis j'adore Tom Hanks. Je sais que lui dit la même chose. C'est pour ça que je le dis. Et La Bête de Gévaudan. Mais elle peut parler de La Bête de Gévaudan parce que c'est quand même ça, le film. Alors, ça, je voulais dire aussi. La Bête du Gévaudan, probablement, vu que cette bête du Gévaudan ne tuait que des femmes et des enfants, c'était probablement un serial killer, un sadique de l'époque. Alors que là, ils nous ont fait une vraie bête de Gévaudan avec des gros picots menaçants dans le dos, des grandes dents et puis des yeux jaunes. Et puis, elle se jette sur les gens et puis elle est faite en osier comme ça, qui crapote un peu. Mais non, pas du tout, parce que la bête a existé. Qu'elle ait été manipulée, on va pas vous raconter le film. Non, Claude, arrête, c'est pas vrai. Absolument, j'ai étudié le dossier. J'ai étudié l'histoire de la bête de Gévaudan. Laissez terminer, Claude. Non, vraiment. C'était un hybride de chien ou de loup, ou de tigre et de loup, et qui était évidemment dressé à tuer. Ça, c'est toute l'intrigue du film, on ne va pas vous la dévoiler. Je trouve que ça a été fait d'une façon synthétique, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est magnifique, en image de synthèse. La bête est vraiment une... La bête est réussie. Très réussie. Derek, on n'a pas encore entendu Jean-François Derek. Et vous savez que l'analyse cinématographique d'un film, comme son nom l'indique, faite par Jean-François Derek, c'est un rendez-vous que les téléspectateurs attendent. C'est tard, il veille jusque tard dans la fin de l'émission pour l'écouter, Derek. Alors, c'est le moment ou jamais. Je vous demande d'encourager notre plus fin critique, Jean-François Derek. J'ai mis la pression, là. Alors... Non, là, on a du courrier, on nous dit c'est un nouveau Claude Jean-Philippe. Ah oui, c'est... Parce que moi, je l'ai bien aimé, le film. Hein. J'aime bien. C'était Jean-François Derek. Par exemple, il y a une petite erreur sur le titre. Par exemple, le pacte des loups. Tu dis, bon, il va y avoir des loups. Et puis effectivement, il y a des loups. Bon, tu dis, je suis pas surpris, c'était dans le titre. Alors que par exemple, ça serait appelé, le pacte des lapins, par exemple. Là, tu te serais dit, tiens, t'aurais vu des loups, t'es surpris parce que t'attendais des lapins. Ouais. Bon. Alors, cela dit, le reste est bien. Alors, l'histoire, donc, il cherche une bête et donc, il tue des loups. Il a trouvé la bête? Non, bon, il faut encore tuer des loups. Bon. Alors, t'as compris, au bout d'une heure, tu dis, bon, je vais piger, je vais dormir une heure. Eh bien, tu peux pas, parce qu'il y a un bruit. Parce qu'il y a un bordel dans ce film, c'est hallucinant. Dès qu'un mec, il pose un crayon, il fait... Un verre, blah. Comme ça, il tourne la tête. C'est des bruits... Alors, tu te dis, ces bruits-là... La bande-son est... Et alors, tu te dis, ces bruits-là, je les ai déjà entendus quelque part. Oui. Effectivement, tu les as déjà entendus dans... Matrix. Non, dans Les Rivières Pourpres. Ah oui. Ah, tu dis, bon, c'est des bruits pour jeunes, bon, OK. Déjà avec Vincent Cassel, pareil, d'ailleurs. Tu dis, bon, c'est des bruits qu'ils avaient en double, ils les ont soldés. Très bien. Et alors, c'est pas... Et la bête aussi. Tu dis, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, la bête. Eh ben, dans Jurassic Park. Ah oui, c'est donc, pareil, vrai. Tu dis, c'était une bête pas chère et tout. Et vous rejoignez le critique de Libé, Jean-Marc Lalanne, qui dit « Dans la meute hurlante des emprunts, toutes babines retroussées se confondent. Le dernier des Mohicans, Barry Lyndon, ouais. Le chien de Baskerville, Jacoule Croquant, Sleepy Hollow, tous les clips de Mylène Farmer, Matrix, le 13e guerrier et Mario Bava, ainsi que tout le western Spaghetti, tout ça réuni. » Jet Set aussi. Et Jet Set. Et le gendarme à Saint-Tropez, parce qu'on a bien rigolé quand j'étais là. Ah oui, je voulais juste dire un mot sur les acteurs. Alors, finalement, il y a la petite actrice qui jouait Rosetta. Oui, Emily Deakin. Voilà. Elle est passée de... En deux films, elle faisait de chômeuse à duchesse. Moi, je me dis, pour avoir un avancement aussi rapide, elle a dû coucher. Hein. Quand même que le cinéma français fait pas un film avec trois personnes au fond de Saint-Germain en train de se masturber l'esprit. Moi, je trouve qu'il faut... alors, c'est qu'un début, c'est peut-être pas le meilleur film de la planète, mais c'est un coup de maître pour un coup d'essai, quoi. Ça s'est jamais vu, ce genre de truc. T'as raison. Moi, je trouve qu'il vaut mieux... Allez, Maureen. Vous voulez que je vous dise, résultat du test, vous m'avez convaincu, Maureen. Voilà. J'irai voir le pacte des loups. Tu seras pas déçu. Et c'est du cinéma français, ça aidera le cinéma français, c'est déjà ça. Si c'est de la charité, alors d'accord. Si c'est de la charité, envoyez-nous l'argent plutôt. Résultat du test, allez-y, allez.
votons, alors votons. Alors, attendez, alors. Oh, je sens une contestation dans l'équipe et je n'aime pas ça. Je suis pour la démocratie, vous savez, la majorité l'emportera. Alors, levez la main ceux qui veulent conseiller le film. Moi, j'ai 2, 3, 3 contre 3. Ben voilà, faites-vous votre idée vous-même en y allant, c'est ce que je vous disais. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. On a fini l'émission, on a tout essayé. Maureen Dor, c'est votre dernière émission? Oui. Hein, vous allez accoucher bientôt? Je sais pas. On vous souhaite un beau... On vous le souhaite. On vous souhaite un beau bébé en tout cas. Et on sera tous à la maternité. Je propose même à Catherine Barma et à Thierry Ardisson un futur sujet. On a testé la visite à la maternité. Ah, oui. Et on nous filmera tous rendant visite à Maureen et à son bébé. Vous êtes d'accord? Ah, oui. Hein, on fait ça. Hein. Déguisé en roi mage. Parfaitement. Et c'est Isabelle Mergault qui vous succédera à cette place. Eh bien, je lui souhaite bonne chance. Dans 15 jours. Gérard Miller aura accouché la semaine prochaine. Gérard Miller aura accouché, il sera là. D'accord. On se retrouve donc le 20 février. Merci.